Bonjour tout le monde, ici Yaki Pampouri Vincent Studio, on reprend Skull et voilà. C'était bien, hein? C'était la meilleure intro du monde. Alors, on en était où? Il faut atteindre la troisième zone, qu'on en sue un petit peu, pour y aller. Mais c'est pas grave, ça fait partie aussi du jeu. Oui, donne-moi les os. Et donne-moi les objets. Et lui, il me file toujours les mêmes, hein. Ah non, celui-là, je crois que c'est la première fois qu'il me le file. Alors, comment on fait? Le calice aussi. Et lors d'un échange, augmente temporairement la vitesse d'attaque. Dommage, parce que c'est pas... C'est pas oufissime, hein, soyons honnêtes. Non, lui, il veut pas me faire d'autres trucs en plus. Ok, ciao! On se barre. On se bat avec le loup pour le moment. Mais on va viser des crânes. Un peu plus balayés. Ah, super, on commence par ça. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Ça va dépendre de l'objet. Le sprint augmente l'attaque physique de 100... Ouais, non, au revoir. J'ai pas trop envie de m'embêter pour ça. En vrai de vrai. Alors que ça, c'est bien. On gagne des points de vie. C'est pas mal, les points de vie. Check, check, check. Ouf, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi j'empoisonne passivement? C'est quoi ce bordel? C'est peut-être un objet que je dois porter qui fait ça. Pourquoi j'empoisonne? C'est quoi ce beans? Sorcellerie. Marée. Qui me donne marée? C'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, j'avais pas vu que la pommade faisait... Elle faisait du poison passivement. Bon, soit. C'est pas grave. On continue. Bon, cette fois-ci, on va essayer d'être meilleur que la dernière fois. J'ai dit essayer. Hein. Parce que c'est pas donné. La première partie, généralement, je fais n'importe quoi parce qu'il faut que je me remette dedans. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire ça va, ça passe. Hein. On est que sur le premier niveau. Et il nous faut gagner beaucoup de quartz noir. Beaucoup de quartz noir pour améliorer notre personnage. Et essayer d'être... un peu plus résistant et pour taper un peu plus fort aussi. Donc on est parti. On enlève ça pour éviter qu'il l'ait passivement. J'allais dire attends, elle était courte cette pièce. Bon là ça va. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas. Peut-être qu'il me faudrait moins parler pour mieux me concentrer. Ça va être compliqué, je fais que ça. Premier shop. Ah tiens, c'est nouveau ça. La voie lactée. Je vais peut-être pas la prendre, cela dit, mais je vais prendre un objet. Ça c'est bien ça. Je diminue les dégâts. Les dégâts que je prends. Et la mine, c'est non. La mine, désolé, on a vu que c'était pas fou. Bon, premier boss facile. Ça va. Ça va le faire, lui. Franchement. Après, il est niveau 1. Ça aussi, je comprends pas pourquoi... Enfin, qu'est-ce qui peut changer... si c'est juste de quoi lui mettre un niveau, ou s'il y a vraiment quelque chose qui change en fonction de son niveau. Je sais pas. Bon après, ce boss là n'est pas très compliqué, soyons honnêtes. Ah. Il a eu le temps de le faire. J'ai oublié d'esquiver. Il y a un petit bug là, il fait le bouclier et en plus... Quoi? Ah, je crois qu'il y a un micro bug. Qu'il puisse faire le bouclier et ses attaques à côté, c'est la première fois que je vois ça. Ah oui, non, je pense qu'il y a eu un petit bug. Bon, c'est pas grave. Allez, go! De toute façon, je l'ai éclaté. C'est quoi ça, la compétence de l'artisan? Invoquer... Ah oui, la tourelle. Non, on va prendre des os. Hein. On va voir si on peut augmenter le loup. Pour le moment. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Allez, on augmente le loup, vu que c'est le seul qu'on a. Pour le moment.
Donc je tape un peu plus fort, si je dis pas de bêtises. Hop là. Cette entrée de niveau est un peu pénible. Oui, non, j'ai une meilleure vitesse d'attaque, j'inflige hémorragie sur mon pouvoir. Enfin, il est meilleur. Le loup est un petit peu plus meilleur. Je commence à m'y faire, c'est vrai, hein, au loup. Mais on va essayer d'avoir vraiment un bon crâne. Hein. On en a eu des bons crânes quand même la semaine dernière, mais j'ai pas su en faire grand chose. Ça arrive, hein. Mince. Check, check, check. C'est vrai qu'en l'air, j'aime bien le combo aérien du loup. Il est loin d'être mauvais. Quand il est au sol, bon, il est pas mauvais non plus, mais... Oh, c'est pas possible. Filez-moi des os sympas. Un crâne sympa, pardon. Oh, tiens. J'ai jamais eu ça. Lors d'un échange, lance en l'air, trois diables à ressort, ils explosent. Peut-être que je l'ai vu et que je me suis dit, bon, bah, vu que je joue pas à ces échanges, je l'ai pas pris. J'ai pas beaucoup d'argent. Ouais. On va essayer de le faire comme ça et de reprendre notre vie sur les... Et je l'ai pris, hein, le dégât. Je fais exprès, ou... On va essayer de se régénérer en essayant de pas prendre de dégâts. Pas comme ça, quoi. Voilà. Mais... Je pensais qu'il avait fini. Je fais n'importe quoi. Allez, on dit que c'est la première, ça passe. Ah, ça, c'est cool, par contre. De situer les mages et ces ninjas. Putain, mais... J'ai marre de prendre des dégâts inutiles. Ah, ce dash est vraiment fort quand même. Hop. Allez, on libère machin pour avoir des PV maximum cette fois-ci. J'ai du mal à savoir si les améliorations que je prends comme ça via les gens que je libère, c'est toujours les mêmes en fonction des personnages ou si elles changent. Il faudrait vraiment faire attention à ça la prochaine fois. Super, j'ai dashé en plein dans les pics. C'est génial. Moi qui dis ouais, trop bien, faudrait que je fasse attention et que je regagne des points de vie. Eh bien, je fais de la... Ouais. C'est pas grave. C'est pas grave, on me dit que c'est la première. Si j'arrive au moins à faire lent, ça sera déjà pas mal. Vu qu'on y arrive, là. Hop. Je réfléchis un minimum. Le stuff est... Oui, bon... Je tape pas comme un dératé, c'est pas grave, cela dit. Il me manque des os pour passer le loup niveau 3. J'ai pas eu pour l'instant de bon crâne. Bon. Tant qu'on survit et qu'on fait des trucs, ça va. Parce que j'ai eu des... Entre guillemets, j'ai eu des bons objets pour survivre. J'ai 225 points de vie maximum. C'est pas mal. Il va être long à tuer, mais... Ah oui, d'accord. Je me souvenais pas que ça partait de suite par contre. Allez, check check. Hein. Ouais, je me suis bien fait avoir. Mais j'ai essayé d'esquiver. Ok, je suis pas arrivé, mais quand même. Allez, ça c'est bon. Première phase de fête. Mais j'y arrive pas hein, à esquiver aujourd'hui. Ouf. Allez, on y croit. Ça. Oh là là. C'est rare qu'il me fasse cette attaque. Moi, j'étais pas prêt. Bon, il est mort, ok. J'ai. Non, c'était pas le meilleur. C'était pas le meilleur arbre que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Au moins, je suis vivant. Oh. Les ailes de Sylphide. Augmente la vitesse d'attaque aérienne. Ah oui, bon bah ça c'est cool ça en vrai. Parce que je fais ta 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 ta. Ah oui, je fais les... Ok, pourquoi pas. Ça serait bien de se soigner.
Et d'avoir des crânes. Hein. Bon, ben, pas de crâne, donc des trésors. Hein. Vu que l'argent, enfin, ça devrait le faire. Tac, 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 tac. Non, ça va, je fais des petits dégâts. C'est pas mal, on a vu mieux. On a vu mieux, mais c'est pas non plus nul, quoi. Donc bon, on va voir. Mais c'est vrai que deuxième zone, avoir juste le loup et en gros un seul item qui peut à moitié carry, bon ouais, c'est pas... Diminue le temps de recharge de l'échange, bon, là, je m'en fous, je vais prendre ça juste pour les passives. Et on va viser un crâne, hein, en espérant avoir un bon crâne. Pour l'instant, apparemment, c'est pas gagné. Hein. Ok. Bon, non, pour l'instant, c'est pas si mal, hein, mais... On va voir si je garde le loup, mais... C'est juste que j'ai peur que ces dégâts soient pas assez importants pour la suite. Ben, pour l'instant, je suis pas trop à me plaindre, hein, cela dit. Bon. Qu'est-ce qu'on me propose? Ah, bon, bah c'est bon, je change. Ah là là, c'est bon. Hein, on l'a retrouvé. C'est le petit chic-chic, là. En plus, avec le... Ouais, oh, c'est pas mal. Hein. C'est quoi déjà son LT à lui? J'ai oublié. On va le faire après ça. C'est... Ah oui, c'est un sable de petits couteaux. Non, c'est pas mal. En plus, ben, j'aime bien le clown parce qu'il est... Il est hybride. Ce qui fait que je peux le build de deux façons, en fait. Ce qui est pas mal. Non, il est pas mauvais, le clown, hein, j'aime bien. Enfin, j'aime bien comment il se joue. Après, est-ce qu'il est vraiment mauvais? Je sais pas trop. Restore des points de vie. Oui, cette fois-ci, on va l'acheter. Augmente l'attaque magique lorsque je suis touché. L'attaque magique tout court. Augmente la vitesse d'attaque jusqu'à 60% en fonction de la perte des PV. Attendez, deux secondes. Hop, je me suis fait mal. À la jambe. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Ah, mais tu vas me dire, je peux acheter. Ah, attends, mais. Méduse. Regarde. Pour que la méduse regarde devant elle et inflige en étourdissant. Ça peut être sympa. On va prendre ça. Voilà. Et on va viser encore les trésors. Parce que ce serait bien d'avoir un stuff sympa. Parce après, l'attaque aérienne du clown, elle est sympa. Mais il faut vraiment... Il faut vraiment faire attention à ce que je fais. Et il faut que j'utilise ma... Comment ça s'appelle ? Ma salve de couteau un peu plus souvent. Je l'ai pas fait dans le bon sens. Génial ! Trop bien ! Super, Mario. Les archers de ce niveau sont pénibles à reculer et à faire une attaque en plus. Un éclair frappe les ennemis. Ah, j'ai déjà trop d'objets. Bon, qu'est-ce que je change ? L'argent. Pour l'instant. C'est ce, ce qui m'embête aussi dans ce jeu pour le moment, c'est que les objets que je balance, je n'y gagne aucun bonus à les balancer. C'est ce qui m'embête un petit peu. C'est pas grave hein, en soi, mais je trouve ça un peu dommage. C'est bon que j'ai. Non, je demande pas des os. Je pense qu'un peu de, un peu d'or ou alors des quartz. Des quartz serait vraiment sympa. Ouf. Cool. Super, le type qui est un peu inutile. Je suis ravi. Et ma vie est toujours aussi basse. Pas cool. Toi, j'aimerais bien que tu me files au taquet de... DOS, s'il te plaît. Normalement, ouais, il me file un crâne, lui. Ah, c'est en échange de ma vie. Tout ça pour un crâne en plus merdique. Je me suis refait avoir. Trop bien. C'est pas grave. Enfin, si, ça m'embête, hein, mais bon. On va faire ça, hein.
Et on va essayer d'être meilleur et de choper des points de vie. Ah, un très très bon crâne. Le Berserker. On va l'essayer. Ouf. Alors ok, j'ai un sort pour augmenter ma vitesse d'attaque. Il cogne très fort. Mais... il n'est pas assez rapide à mon goût. Donc on va essayer de s'en servir pour augmenter le clown, sachant que normalement... ah ouais, d'accord. Bon bah je vais peut-être perdre. Ouais, je vais peut-être perdre, mais c'est pas grave. Ouais, je pense que j'ai perdu, mais c'est pas grave. Ouais, on va se concentrer, mais je pense que j'ai perdu sur ce combat. Ouais, bon, c'est pas grave. On recommence. Ah, le jeu commence à être vraiment assez dur. Et pourtant, ben, on a de quoi augmenter le personnage à chaque fois, mais c'est pas encore ça. Hein. Est-ce que je dois absolument utiliser l'échange? Je suis pas fan de l'échange, en fait. Je peux comprendre que ça soit bien, mais j'aime pas trop. S'il faut, c'est complètement le principe du jeu, et c'est pour ça que je perds à chaque fois. Bon, je sais pas. ça commence bien. Ah, de l'attaque magique. Super, j'ai pas de magie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... lorsqu'un ennemi est vaincu, je récupère des PV. Mais c'est ça qu'on veut, mais tous les jours. Tous les jours, on veut ça. Ah là là. Il faut que je vérifie si mon... oui, voilà, ça c'est magique. Ok. Bon, le début risque d'être un peu plus simple. Vu que je récupère des points de vie sur chaque mob. Ah, c'est un peu pénible. Hein. Le jeu est très dur. Hein. Ça me gêne pas, mais il est vraiment dur. Ouais, on va voir. Il y en a partout! Barrez-vous! Ok, on peut aller choper des crânes, c'est parti! Espérons que ça passe. Et qu'on me donne un crâne sympa. Parce que j'ai pas été trop gâté sur la partie d'avant, niveau crâne. Aïe aïe! Même si j'ai eu le clown, bon, j'avais pas le stuff qui suivait pour. Après, c'est pour ça que le jeu est dur aussi, c'est bon, la rareté du loot, c'est si t'as de la chance. Ah bah t'es le retour du clown, allez go. Et cette fois-ci, de l'avoir tôt, ça me va parce que je vais pouvoir essayer de le build un peu pour, et surtout bah, de pouvoir l'augmenter. J'ai eu assez tard sur la partie d'avant. Non, il est vraiment chouette. Hein. Et j'ai essayé de jouer avec l'objet que j'ai eu pour augmenter l'attaque aérienne tout à l'heure, mais c'était peut-être pas le meilleur plan avec lui. Avec le loup, oui. J'aurais dû continuer avec le loup. Après, le clown me plaît tellement que... bon. J'aime bien. J'aime bien comment il joue, j'aime bien le principe. De faire plein de petites auto-attaques et qu'à la troisième, ça explose. Je trouve ça chouette. Eh ben on va essayer... bon, le retour du loup. On va essayer de viser les crânes. De viser les crânes, de faire attention... ouf, c'est quoi ça? Le chevalier de l'ombre. Une bonne quintessence dès le départ, c'est pas mal. Mais ça aussi, c'est bien. Ah, je peux acheter les deux. Voilà. En plus, sur le boss, il va se prendre ma quintessence...
J'allais dire, mais c'est la première fois qu'on le voit, lui, en... tout seul, non? Je sais pas. Oh mince. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah oui, il est fort, celui-là. Une bonne quintessence. Dommage, j'ai pas assez de crâne pour l'araignée maintenant. Mais je l'aurai pour plus tard. Peut-être. J'espère. Ah, c'était très chouette. En fait, j'ai un bouton pour gagner. Bon. Si j'y arrive pas avec ça, c'est que je suis vraiment pas bon, sans déconner. Si on peut blâmer le jeu autant que je veux, bon là... Ah, si j'y arrive pas... C'est que j'ai fait exprès. Oh, ok, ok, on se calme, on se calme. J'ai pris des dégâts monstrueux pour rien. Je suis ravi. Oh, punaise. Non, je veux pas perdre. Pas maintenant. Pas que j'ai un bouton pour gagner. Non. J'ai le bouton pour gagner, moi, je veux pas perdre. Ça, c'est non. Hein, même si le clown fait des petits dégâts partout... non. Qu'est-ce que c'est? Le griffon. Allez, au revoir. Merci. Je veux gagner. le Minotaure, on l'a pas essayé. Enfin, du moins pas plus que ça. C'est pas trop grave. Hop là. Oh, de la régène. Ah, mais j'ai encore mon sanctuaire qui dit que dès que je tue des gens, je regagne de la vie. C'est pas mal le truc que nous offre le druide en début de jeu. Bon, après, bon, je comprends. Bon, je réfléchis en même temps, mais... Je comprends que ça soit trop fort de l'avoir tout le long de ton aventure. Mais il pourrait nous proposer de payer avec du quartz noir pour augmenter la durée. Vu que là, je passe à peine la première zone pour en l'ayant. Et comme j'ai pas de... Je pense, par exemple, en ce moment, je jouais pas mal à Heroes of Hammerwatch. Oh, la moto. Tant pis pour la moto, il me faut des os. Je joue pas mal à Heroes of Hammerwatch avec un pote. Et c'est vrai que... De pouvoir bien avoir cette impression de roguelite, pas de roguelike, était sympa. Celui-là, la progression de roguelite est faible. C'est pas très grave, mais... Et oui, dans Heroes of Hammerwatch, on peut sauter des zones en faisant un challenge un peu plus compliqué. Ce qui est bien. Là, je peux pas. Après, est-ce que la troisième zone, c'est la dernière? Pour l'instant, on sait pas. S'il faut, il y a 3-4 zones. Je sais pas. Il faut que je sois meilleur pour le savoir. Oula. Ah, saleté de mage. Mais il y en a combien? Mais il y en a encore un! Ils vont tous venir! Ah, le sort du clown là, en plus, celui-là est pas mal. Il pourra envoyer une grosse attaque. C'est pas mal. Un peu d'argent, on fait... Enfin, on va faire l'ent. On va le baisser en deuxième phase et puis après on va appuyer sur le bouton qui gagne. Hein. On va faire ça. Ça sera facile. On aime bien la facilité. Et allez go. J'ai tout raté. Putain, c'est pas possible. Premier truc, je rate. Bon, ça faut reculer assez vite parce que je me suis fait surprendre tout à l'heure. Allez, on se dépêche. Tchac 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 tchac. Ah, mais c'est pas possible, je connais pas mon bouton d'esquive aujourd'hui. Pourtant il y en a qu'un, hein. Il n'a pas changé depuis la semaine dernière. Allez, laisse-moi appuyer sur le bouton pour gagner. Allez, c'est parti.
On va quand même esquiver parce que sinon c'est mort. Hein. Bah c'est pas possible. J'ai pris 3 coups mais gratuits. Parce que je ne sais pas esquiver. Par contre, cette quintessence est forte. Hein. Ou comme dirait le jeu, la quinquintessence. Punaise. Bon, au moins je peux augmenter mon clown. Oui, je le veux. On l'avait déjà fait, non, la première évolution du clown? Oui, c'est ça, j'avais déjà vu ça. Ce truc, qu'est-ce qu'on a gagné? Ah oui! Ah ben ouais, c'est bien ça. C'est pas mal le nouveau pouvoir. On va le faire de suite d'ailleurs. C'était pas ça, mais c'est pas grave. Super, j'ai touché personne. Putain, mais c'est pas possible. Oh là là, mais quel nul aujourd'hui encore. En fait, c'est pas aujourd'hui, c'est tous les jours. C'est pour ça que ça me paraît dur. J'ai envie d'éternuer. Pardon. Je pouvais pas mute. On va reviser les crânes. Oh non, pas ça. Hein. Ça, je me suis fait avoir une fois, pas deux. C'est juste pour avoir de l'or. Non, merci. Après, c'est bien. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être un sacré crâne. Ah, ben, on l'avait déjà eu, ça. Eh bien, désolé, mais cette fois-ci, c'est non. Certes, il a été très fort. Je le reconnais. Mais contre le boss de ce niveau, ça avait été une purge en fait. Ça a été trop compliqué. Bon, bah ça s'est bien passé là. La reine des servantes. Il me faudrait récupérer de la vie et avoir des objets pour résister. Parce que là, c'est pas la joie. Non, c'est bon. Allez hop, check. Ça me permet d'économiser un peu de l'EPV. Et là, ben oui, évidemment qu'il me file un crâne nul. Oh, le bombardier squelette, j'aurais bien voulu le tester. La prochaine fois, je vais essayer de le tester. Là, c'est vrai que j'essaye de gagner, hein. Ça peut aider. Qu'est-ce qui est bien? Les dégâts magiques. Ah non, l'attaque physique c'est très bien, hein. Voilà, on prend ça. Je peux brûler les ennemis, oui. Ça peut aider. Maintenant il nous faudra un peu d'or pour le prochain. Mais oui, augmenter l'attaque physique là, c'est bien. On va pas s'en plaindre. Hein. Ah. J'ai merdouillé. Ah, bah j'ai encore plus merdouillé. Bon, c'est pas grave, au moins ils sont tous morts là, voilà. Bonjour, 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 bonjour. Ils sont pas tous morts, génial. Il m'énerve, c'est un chien, il m'énerve. J'ai pris un coup par un soldat. Ah! Sans déconner, pauvre. On va d'abord faire ça, sinon je risque de prendre très cher. Ouf! Il y en a deux. Mais il y en a combien? Il y en a combien? Balance toutes les assiettes, arrêtez! Ok. Beaucoup de vie perdue. J'ai envie de dire sans blague. Ah oui, là c'était raide. Hein. Bah, et c'est le mini boss maintenant. On va attendre un peu et on va appuyer sur RB. M'en voulez pas. Ouais, là c'est un peu pénible. Donc on va faire ça.
Il est bien. Ils sont pas morts. Si, c'est bon. Au moins pour rien. Mais bordel! Ah, cool. Pas mal de vie. Oh, la momie. C'était pas ouf, la momie. C'est quoi, ça? Augmente de 40% les dégâts infligés par derrière. Bah... ça peut être bien, c'est ça, le pire, mais... mais ouais, ça fonctionnera pas. Oui, bon, bah toi, c'est 100, c'est ça? Ouais. Bon. Bon, on verra après ce boss-là. Si j'y arrive. Punaise. J'ai appuyé quand même sur bouton pour gagner, mais ça n'a pas suffi. C'est beau, ça. Ok. Non, 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 pas toi, pas toi. Voilà. Des PV que j'aurais dû prendre. Il faut vraiment que je pense à garder les PV quelque part, en fait. Comme ça, au moins, ça évite de prendre des dégâts derrière inutiles. Donc de les laisser de côté et de les prendre après. Voilà, pas comme ça. C'est pas possible. J'espère qu'il va m'enfiler. Non, tu... ah, très bien. De la vie. Et des os, des os. Des os, pas des os. Oui, venez par là, là que j'ai ma zone pour attaquer un peu plus vite. Non, personne. Ah, c'est tendu. Waouh, il y a du monde. Oh la vache, il y a tellement de monde. Voilà, au moins j'ai mon bouclier. Allez. À l'aide. S'il vous plaît, à l'aide. Mais il fracasse ses potes, on est d'accord, hein. Oh, mais c'est quoi ce Beans? J'ai même plus de bouclier. Tellement il y a du monde. Oh. J'aurais dû appuyer sur mon bouton pour gagner. Oh la vache. Ouais, ouais, là c'est dur. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Et j'ai pas de vie après ça! Oh, mais c'est pas fini! Oh bordel! J'ai peur! Oh non, mais filez-moi un truc! Ah, l'archer! L'archer est pas mal! Super! Il me manque 11. 11 crânes! Bon, on prend la vie. Augmente la vitesse d'attaque pendant 3 secondes dès que je fais un mort. Lors d'un sprint, génère une explosion d'énergie qui inflige des dégâts physiques. Ça peut être bien contre les... de toute façon, je peux pas acheter le reste. Ah ! Un crâne. Alors, si c'est un moyen crâne, ça peut être pratique. Comme ça, au moins, j'aurai mon clown de niveau 3 à la sortie du boss. Si j'arrive à faire mon boss. Ça, c'est pas gagné, hein. Évidemment. Parce que bon, c'est la galère, on le sait tous. Ah ouais, non, mais c'est super dur. Ouais, c'est très dur. Oh, mais merde! Je vois la boule et je l'esquive pas. C'est fou, ça. À croire que je fais exprès. Bon. J'ai mes os. C'est déjà pas mal. Allez, vite.
Après, bon, bah, les dégâts sont là, hein. C'est pas trop trop le problème, c'est juste que je fais n'importe quoi. Hein. C'est ça le vrai problème. J'essaie de faire doucement, de pas trop faire n'importe quoi, mais... Ok. J'aurais dû garder la vie en bas, c'est pas grave, surtout que là, ça va être la galère. Je l'ai vu, la glace. Ok. Ouf. On peut peut-être y arriver. Hein. Le taux de critique. Oui, on prend. J'ai pas besoin d'eau, donc je vais prendre des pièces. Non, ça c'est moche par contre. Hein, de se battre là-dedans. C'est très très moche. Non, ça j'aime pas. C'est pas cool. Super. Non, non, ça c'est dégueulasse. Ça y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Oh, super un type. Tu me donnes de la vie, toi, ou pas? Ou tu me donnes un objet? Oh, je sais plus ce qu'il fait. Tu fais quoi, toi, déjà? Ah, je peux lui acheter quelque chose, je crois. Ah, bon, c'est un objet. Qu'est-ce que c'est? L'avarice, le cœur. Augmente le gain d'or et augmente les PV maxi. Je le veux. Ah, cool! PV maximum tout court, j'ai pas besoin de changer encore d'objet. Ouf. Je pensais pas qu'il allait pouvoir me dasher dessus, cela dit. C'est pas grave. Ok, de la vie! On avance petit à petit. C'est le boss de suite ou il y a un marché? Non, non, c'est le boss de suite. Même si j'appuie sur RB, je vais me faire éclater. Bon. On y croit? Est-ce que ça va faire comme la semaine dernière, c'est-à-dire perdre dès qu'il lui reste un point de vie? Ou est-ce que je vais dessus de me faire éclater et puis au moins ce sera fait? On va voir. Ok, bon, c'est pas... Ah! Je l'ai pas vu faire ça. C'est pas... Bon, pour l'instant, ça va. J'ai pas vu le trait. Ok. C'est la concentration extrême, elle est là. Allez, check, 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 là. Au revoir. J'ai fait de la mal. Ok. Bon, ça va, elles sont mi-vie les deux. Moi, ça peut aller. On va dire ça comme ça. Ouf. Non, 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 ça va. Tiens! Ouais. Ok, ok. Là, elle s'énerve un peu. Ah! Une en moins! Allez, maintenant on esquive l'autre, on appuie sur RB et on gagne. Du moins si ça fonctionne bien comme ça. Allez, c'est parti, on fait gaffe.
Pour l'instant, ça va, elle perd beaucoup de vie. C'est toujours pas fini. Bon. Si là, j'arrive pas, c'est que je suis vraiment à chier, sans déconner. Ah. Non. Ah, tant pis. J'ai quand même pris le coup, hein. C'est dingue. J'ai pris des coups, mais... Oh ! Elle est morte, mais j'ai pris des coups. Donc, je vais pas y arriver. Ouais, on l'a tué. Sauf que j'aurai jamais assez de dégâts pour tuer les alchimistes de la zone d'après. Ouais. J'ai pas vu, c'est quoi l'objet? Oh merde, j'ai pas vu. Comment on fait? C'est quoi l'objet que je veux? Ah oui, le miroir magique, pardon. L'échange. Mais non, je veux pas. Bon, attends, on va faire ça, et je le reprends à la place du miroir. Oui, je m'en fous un peu du miroir, désolé. Allez, au moins on va pouvoir voir le clown de niveau 3. Il y a toujours le petit bug. Ça serait bien qu'il le corrige un jour. Toi, je sais plus... Ah oui, c'est ça. C'est lui, il va mourir, le pauvre, là. Genre, pouf! Je sais pas pourquoi il meurt, le pauvre, mais c'est pas grave. Oui! Je vais être un clown de niveau 3. À quoi je vais ressembler? Oula! Qu'est-ce que quoi? Pourquoi je tends les bras? Ok. Mais c'est... Est-ce que ça veut dire que je suis le Joker? Je suis légendaire. D'accord. Ben, j'espère que les dégâts et tout vont me suivre. Hein. Pourquoi il marche comme ça? Tourner la tête en arrière, c'est super. Ouais, ok, ça fait mal. Vite, 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 vite. Non? Oh non. Oh, mais ça va! Prends ta quête des dégâts! Ah, pardon. Il m'a fait peur. Waouh. Ok. Alors, le Joker est pas mal, cela dit. Vite, faut le tuer avant qu'il... Ok, ils ont pas pu invoquer. Très bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, comme je n'ai pas besoin... Ouais, de crâne, là, c'est bon. Faut se dépêcher de tuer ceux-là avant qu'ils invoquent. Et de ceux-là. Ah, je vais y arriver. Que j'ai pris ? Ah, je voyais pas qu'il me tirait dessus. Mais non, mais je prends trop de dégâts, mais... Ok, les alchimies, c'est pénible. Ah, mais mes couteaux sont téléguidés, par contre. C'est cool. Quand je fais RT, du moins. C'est quoi, ça? Bon, je tends les bras, mais... Pourquoi il tend les bras? Oh, le marché! Oh oui, la bouffe, oui. C'est nul! Ah! Restaure lentement ses PV lorsqu'ils sont en dessous de 30%. Allez. Voilà. Hein, c'est bon, ça, c'est très bien. Augmente les PV. Merde. Ah non, non, là, c'est bon. Oui. Donnez-moi l'argent. Mais en bas, c'est quoi, ce regroupement, là? Oh là là. Allez, vite. Vite! 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 Ok, c'est bon. Oh, ils font taquer de dégâts. Hein. Apparemment, moi aussi. Ce qui est déjà pas mal en soi. Qu'est-ce que. C'est quoi ces âmes à la con? Oui, il faut les insulter. Allez! Que j'ai peur de. Il y a des. Il y a des trucs sur les côtés, là. C'est quoi? Pourquoi? Ah! Pourquoi il a explosé, le machin? Je connais pas la zone, c'est difficile. Je veux du trésor, moi. Arrêtez de m'embêter. Oh, non! Oh, non, 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 non! Je suis tombé dessus. Bon, pour l'instant, so far, so good. Non, non, ça va le faire ou pas? Ah, mais...
Mais je l'ai pas vu attaquer. Ma vie est plutôt correcte, mais... Je suis tendu parce que je connais pas la zone. Ce qui fait que c'est compliqué. Il y en a un qui est tombé en bas. Hein. Ouais, voilà, il y en a deux qui sont tombés en bas. Je fais comment? Oh là là. Après, je fais des bombes... Ok. Doucement. Ils sont morts, moi. On va vendre la ta physique de 6% pour chaque ennemi proche. C'est pas ce que j'aime, mais je vais virer ça. Non, la vitesse d'attaque c'est bien, les dégâts encaissés c'est bien. On va peut-être enlever le... ça. Tout simplement parce que c'est les passifs là des objets qui vont être bien. Et le passif de l'objet, même si bon, bah, augmente l'attaque physique pour chaque ennemi, blablabla, ça peut être très très utile. Parce qu'une des passives, c'est augmente le physique tout court. Et j'en ai un peu besoin. C'est des métroïdes. Je suis allé dans la lumière, voilà. Je l'ai vu. Je lui ai dit oui. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais... Allez, on se plaint pas. Ok, donc les ennemis explosent, il me l'avait dit le type, hein, mais j'y ai pas fait attention. Ouais, c'est, il faut faire gaffe à tout le monde qui explose dès qu'il meurt. Ok. C'est fourré de pièges cette zone. Et j'ai même pas fait les mi-boss. Non mais ça va arriver. Ah, mais ils explosent tous, c'est pénible. Bon, là, ça va. C'est faut vraiment que j'arrête les rituels très vite. C'est un peu le problème que j'ai. Là, je fais rien du tout pour, donc c'est un peu dommage. Et l'autre qui m'envoie ses fioles à travers la tronche. Hein. Bien. Et lui, il explose pas. J'ai pas encore compris la subtilité. Bon, allez, c'est le mid-boss. On va sûrement appuyer sur RB. Oh, ils sont trois. Bon, on va faire ça. Hein. On va essayer d'esquiver et on va appuyer sur ce bouton-là pour gagner. Ok. Ils sont pas morts. J'esquive. Pas du tout. Ok. Là, on va essayer de bien jouer. Ok. C'est pas comme ça qu'on fait pour bien jouer. Bon, c'est le ninja. On le connaît. C'est les esquives. Allez, on y croit. Oh putain. Oh non, je l'ai pris. Allez. Oui. On avance. Ah ben voilà. Mais ça c'est non. Non, on va prendre des os, mais... Je veux la vie. Attends, mais... Quoi? Oh mais non, je pensais que c'était un marché. C'est pas du tout un marché. Mercredi. J'ai pas vu. Bon bah je crois que je vais me le taper là. Allez vite, 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 vite. Oh merde, pardon. Ouais non, là ça craint, là ça craint grave.
Ouais, allez exploser sur les autres et foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Oh la vache. Oh là 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 là. Ah, je savais que les golems pourraient causer ma perte, hein. Allez, meurs le golem. Ok, c'est bon. Donc ça, déjà, c'est fait. Je... J'ai 16 points de vie. Mais j'y arriverai pas. C'est le marché? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Chaque attaque augmente le taux de critique de 2% pendant 3 secondes. Cet effet peut être cumulé. Allez, ça on veut. À la place de ça. Moi, on va éviter de prendre de l'attaque magique. Mais je veux le marché, il me faut de la vie, là! Après, j'ai mon objet passif qui m'augmente de 2 points de vie un petit peu. On va attendre. De quoi se refaire un petit peu de vie. Oh non, je veux pas perdre, je veux au moins voir le boss de la troisième zone. Ce serait dommage. Pas maintenant, quoi. Bon, désolé, on attend un peu. J'ai vu un truc bleu passer sur la map. C'est moi? Ah non, c'est une particule de la nuit. J'ai rien dit. Regardez, là, elle passe. C'est bon pour la vie ou... Ça régène tout le temps ou non? C'est 30%. Ça fait combien 30% de... Ah oui, non, c'est bien d'avoir pris cet objet. Ouais. Peut-être qu'au niveau magique, je fais moins de dégâts, mais alors au niveau physique, c'est très bien. Ouais, c'est plutôt cool. Hein. Mais je regagne ma vie et tout, combien de fois? Voilà, pour l'instant, si c'est que des gardes, ça le fait, hein, juste à attendre. Et comment je sais quand ils explosent? C'est quoi ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi il y en a deux? Bordel. Bon, lui, il est bientôt mort, cela dit, mais... Il me fait peur. Pourquoi il est là, lui? Oh là là. Allez, dégagez. S'il vous plaît, foutez-moi la paix. Mais comment ça se fait qu'il y ait 20 000 personnes comme ça, là? Allez. Super, j'ai... Oh là là. Très 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 difficile. Je suis désolé, mais... Ouais, mais non. C'est non. Ouais, donnez-moi de la vie. C'est tout ce que je vous demande. Non, non. Par contre, me pétez pas à la gueule. C'est tout ce que je... Cassez-vous. Ok. Il me rend de la vie. Et maintenant, je fais comment, là? On se casse. Voilà. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui, oui. Allez, au revoir. Non, non, on s'en va. On s'en va, on s'en va. Ah! Ah, je vais pas me battre dans les pièges, ça va pas la tête. Ah, mais je peux envoyer mes couteaux, je suis con. Tiens. Il en manque. C'est pas grave. Ah, Dring Dring! Evil Carnage F3 qui nous suit, merci, désolé. C'est un peu le bordel. M'en veux pas. M'en veux pas, mais là j'essaie de... Oh mais non, faut que je les tue. Mais les pièges se sont arrêtés. Ah, tant mieux. Allez. On peut le faire. Hein. Ok, il explose. Il y en a d'autres, c'est super. C'est vraiment... Vu le personnage, on peut dire que c'est la clown party, on adore. Hein. Allez, on fait doucement, on essaie d'avancer. Ok. Bon déjà, les pièges n'existent plus, donc ça m'aide. Coucou et comment ça va tout le monde? Eh bien, écoute... moi, du moins, ça va. Ok, ben merci de nous avoir hébergés en même temps.
On avance petit à petit avec notre joker. Ah! Qu'est-ce que c'est? Gnome, l'esprit de la terre. Ouais, mais je le mettrai à la place de quoi? Il a conte de fées et démolition. C'est pas fou ça. Bah, ça sera non. Donc, on va mettre ça, mais on le remet de suite. Ah, désolé, mais l'esprit. J'ai pas envie. Je joue souvent la goule. D'accord. La goule, c'est. Oui, c'est le truc qui ressemble au boucher dans Diablo. Si j'ai pas de bêtises. C'est vrai que c'est pas mal, cela dit. Diminue de 10% les effets reçus. Accélère le rechargement de la quintessence. Ah! C'est plutôt fort ça. J'ai envie de le prendre, mais à la place de quoi? À la place de ça, ouais. Ouais, on va le prendre à la place de ça. Ça, c'est rigolo, mais au début. Hein, si je peux réavoir une quintessence, ça peut être très très bien. Ah, mais il est long ce niveau! Oui, juste, Evil Carnage, c'est la première fois que je suis dans la zone. Enfin, dans cette zone-là, avec les alchimistes, dans la zone numéro 3. Et je ne veux pas savoir combien il y a de zones. Je découvre le jeu. J'essaie de faire au mieux. J'essaie de. Je me fais un peu dessus, ouais. C'est quoi ça? C'est un méga. Oh non, mais non, mais non! Ça a pas le droit d'exister, ça. Je prends trop de dégâts. Dommage qu'on puisse pas ajouter des mods. C'est-à-dire. Qu'est-ce que tu envisagerais comme mode? Si possible, sans spoil. Si possible, ça m'arrange. Ok. Ah, punaise. Je l'ai vu péter, mais à la fin. Ouais, là, c'est rude. Oh, la vache. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Oh là là, mais c'est quoi ça? Oh. Mais je veux dire des modes de workshop. Ok. D'accord. Tu aurais des idées toi de continuer à ajouter avec des modes ou pas du tout? Plus j'avance, plus les alchimistes ils vont me péter les dents, quoi. Oh la vache. Ah, c'est trop dur. Allez, c'est pas grave, on attendra. Hein. C'est là, ouais, c'est bon. J'ai eu ma dose. Je vais mourir, de toute façon. Je le sais. Je galère. C'est la grosse galère. Bon, on arrive au boss. Ok, la chambre noire. J'ai pas de vie. Je suis ravi. Bon, on va attendre que notre... que notre quinquintessence se remette. Ça va être compliqué. J'imagine. J'imagine, je connais pas du tout le boss. Je sais même pas quel pattern il a. J'imagine juste que ça va être un sacré alchimiste et que je vais en prendre plein les dents. Voilà. Allez. On va voir ce que ça donne. Ok. Ok. Je me suis dit merde. Possible de mourir tout de suite. Ah, super, ça m'arrange. Oh là là. C'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Le chef du laboratoire noir. Attention, tu mets les pieds. Cet endroit est rempli de produits chimiques mortels qui peuvent te tuer au moindre contact. Oh. Tu as fait un long chemin pour arriver jusqu'ici. Le maître chevalier me l'a expliqué. Il était furieux de voir ce que tu as fait à ces hommes.
Il était tellement énervé que j'ai pensé qu'il avait besoin de se calmer. Alors je l'ai jeté dans le réservoir d'eau là-bas, mais il était trop grand, alors je l'ai découpé. Ah, ok. Ok. On a affaire à un psychopathe. J'adore jouer avec des cobayes. Dis, as-tu testé les pouvoirs des amis fusionnés avec le quartz noir? As-tu essayé de les poignarder, de les congeler ou de les brûler? Je leur avais incorporé des petites bombes au cas où ils me trahiraient. Est-ce que ça marchait? Tu t'es bien amusé? Bon, beaucoup de rire. Beaucoup de points. Beaucoup de points. Tu n'es pas drôle. Je fais ce que je peux. Moi, je veux gagner le jeu. Bon. Je pense que je vais prendre un truc, je vais mourir. Laisse-moi te dire quelque chose d'intéressant. Je vais te montrer ce dont le quartz noir est vraiment capable. Allez. Ouf. Regarde. Ok, la chimère. Ouais. Donc le mec est mort. Attends, mais c'est déjà un truc en quartz noir, donc vite. Allez, go. Ouais. Ça lui fait pas de dégâts. Génial. Je comprends pas ce qui se passe. Bon, je lui ai enlevé un tiers de points de vie. Ok. On va essayer de bien jouer et de découvrir les patterns. Oh, j'avais pas vu les ennemis derrière. Oh la vache! Ah, il est un peu raide, ouais. Je l'ai mis mi-vie, entre guillemets, et... Oh non, mais c'est trop dur. Ah! Et maintenant, je meurs, c'est ça? Presque. Ah bah si, ça y est. Oh, putain de merde! J'avais pas vu que j'avais une incandescence! Oh non! J'aurais pu la relancer. Mais comment tu veux faire ce boss? C'est trop dur! Ah oui, j'ai vu, ouais. J'ai bien mangé. Ah, je peux prendre ça, cela dit maintenant. Augmente la vitesse d'attaque et de déplacement des crânes de vitesse. Oui, je veux ça. Et ça, c'est quoi? Permet de détruire des parchemins pour obtenir jusqu'à 0 pièce d'or. Ah! Permet de ressusciter. Moi, j'avais la goule max quand je l'ai fait. Et dis donc, la goule, déjà, elle est un peu dure à jouer. Alors, au max. Lors de l'échange, crée un bouclier de PV. Ok, d'accord, je comprends maintenant pourquoi l'échange est utile. Parce que pour l'instant, j'ai pas les capacités pour. Réduit de 10 les dégâts reçus par les crânes de puissance, augmente de 30 la vitesse de rechargement des crânes d'équilibre. De rechargement, quand ils disent rechargement, c'est de... Des capacités. On va prendre ça en cas. Ok. Bon! Eh, écoutez, au moins on a vu le troisième boss, sans pour autant que je me fasse complètement éclater la tronche trop vite. Donc c'est déjà pas mal. Je suis pas fan de lui ici. Ouais, bon, on va voir. Je suis pas très fan du voleur. Oui, donne-moi des objets. Ok, on a droit à quoi? Conseil 5 contes de fées. 5 contes de fées. Ah! C'est-à-dire avoir les objets des petits familiers autour de toi. Ok. Merde, je dépense mon buff. Ok. J'essaierai d'y arriver avec ça. On verra, hein, si j'y arrive déjà. Parce que là, je pense que j'ai eu de la chance sur le personnage. Ah oui, c'est vrai que la disparition me fait aller en arrière. Pourquoi il y a ça? Bon, c'était pour rien. Ouais, je découvre encore le jeu, donc c'est vrai qu'il y a des choses que je dois sûrement passer à côté pour le moment. Enfin, je dis que je le découvre, j'ai fait... Ouais, c'est mon troisième stream dessus. En gros, j'ai 7 heures de jeu, quelque chose comme ça. Non, je ne veux pas lui. J'aime pas le skatebookier. Donc ouais, pour l'instant, je découvre et on verra ce que ça donne. Hein. Hein, il tapote bien lui en fait. Là je l'avais testé qu'une fois, mais t'es dit bof. Hein, il tapote hein, maintenant. J'ai pas vu son attaque aérienne, ok. Le sablier en os. Oui c'est bien ça.
Bah, de toute façon, je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre. Hein. On fera le tri quand on sera trop plein. Mais je vais avoir. Oh, saloperie. Décidément. Mais foutez-moi la paix! On fera le tri quand je serai plein. Quand j'aurai un trop plein d'items. Je comprends pas pourquoi il y a des zones comme ça. C'est juste pour faire de l'argent. Ah mais non, mais c'est parce que lui, il vole de l'argent. Passivement. Le petit bonhomme. Ouais, il a une bonne vitesse d'attaque, le petit. Tac, tac, tac. Bon, on verra si on peut l'améliorer, le voleur. Si j'ai pas mieux entre-temps. Le motard était rigolo. Hein, de Sonia. Ah, l'alchimie, c'est bien. C'est bien, mais... Accélère la recharge de sprint et la distance parcourue sur au moins 4,5. Bon, on va prendre le taux de critique avec ce personnage pour le moment. Bon, on va voir si j'arrive à faire quelque chose avec le petit, là. Check, 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 check. On va voir. J'avais oublié qu'il faisait ça. J'ai pas esquivé le deuxième coup, parce que je pensais qu'il allait pas le faire aussi vite. Hein. Je déteste ces boules. Mais j'en ai marre d'être nul. Allez. Allez. Non, j'y suis pas arrivé. Tant pis. Il a pris quand même beaucoup de dégâts dans la tronche. Non. Ah. Il est pas dur, c'est moi qui fais n'importe quoi, hein, on est d'accord, vous inquiétez pas. Parfois il y a des coffres. Ah ok. Derrière les choses, comme on disait. Ça c'est bien. Ifrit. On l'a déjà pris, Ifrit, je m'en souviens pas. Et ça c'est encore le bouclier squelette, mais tu me. Hein. Bon. Ah, je me souviens pas. Écris un chemin de feu. Le chemin de feu dure 15 secondes et inflige des dégâts magiques. Bah, j'ai envie de prendre l'incantescence parce que j'en ai pas. Et en espérant que ça y a 10. Ouais, c'est 10, ok. Allez, le voleur de niveau 2. Ouais, il a un petit style, ouais. Allez, go. Super, j'ai dashé dans les pics. Incroyable. Les gens n'y ont pas cru, et si. J'arrive à le faire, vous inquiétez pas. C'est, j'arrive à faire des conneries pareilles, ouais. Ah là là. Putain, pour un voleur, j'ai l'impression de voler pas tant d'or que ça. Toujours plus. Ah, c'est infligé mon ragi maintenant. Très bien. Cool, je peux avoir des crânes. Des os. Enfin, on verra en fonction de... si le truc vaut le coup ou pas. Mince, je pensais pouvoir monter. Ok, je suis passé devant pile avant son coup. Je suis ravi. Mais c'est pas grave, je peux gagner de la vie. Allez, qu'est-ce qu'il me propose? Yes, au revoir. Il est pas mal le soldat, mais vu que j'ai ça, je me dis. Et ces objets-là, il faut vraiment qu'un jour j'économise pour au moins en acheter un. Oui, le marais, ça peut être fort avec lui, vu que j'ai beaucoup de dégâts de d'attaque. Super, je suis tombé dedans. C'est pas possible, j'ai l'impression que je suis exprès. Hein. D'être nul. Ouais, c'était une bonne idée la pommade. Ok. Oui, ça, la map où ça se détruit ici. Bon bah je vais attendre, vous m'en voulez pas. Et maintenant, on propage le poison.
C'est très très cool ça. Et je suis retombé dedans. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Ah cool. De l'attaque physique. Parfait. Même si c'est le... un objet très rare, c'est toujours efficace. Non, 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 non. Ah, j'avais pas vu le mage derrière. Tant pis. Bon, attaque physique, c'est pas mal. Avec ce personnage. Allez, on va voir si j'arrive à tuer l'arbre. Et surtout, on va voir comment une frite fonctionne. Bon, je pense que le tuer, je vais y arriver. C'est juste que je vais encore prendre des coups gratuits et... et je vais pas le faire, je vais pas faire un sans faute quoi. J'ai envie de dire comme d'hab. Allez, c'est parti. Ifrit. Et bien voilà, Ifrit sur ce boss, c'est pas ça. Si, il prend un ou deux par-ci par-là, mais c'est pas fou quoi. Alors, de toute façon, c'était gratuit donc. Ok, super. Je suis tombé. Bon, après, je lui mets des dégâts donc c'est bien. Hein. Ok, première phase terminée. Bon, ça, ça va le faire. Ça dépend ce qu'il fait en fait. Ouais, ça par contre j'ai du mal à les esquiver. Voilà, la deuxième j'ai du mal. Hein. Super. J'ai attendu. Voilà. Ouais, on va se barrer. On va attendre que ça se passe tranquillement. Et après, on y mettra la max. On prépare ça. Et c'est parti. Voilà. Ifrit, le démon du feu. Oui. Merci Final Fantasy pour nous avoir appris ce genre de choses pour ceux qui ont une mauvaise culture, comme moi. L'os de mana. Lors de l'utilisation d'une compétence, crée une tempête de mana qui s'enroule sur d'elle-même. Ok, pourquoi pas. Selon le nombre de crânes d'équilibre possédés, les dégâts et la zone d'effet de la tempête de mana augmentent de 30% jusqu'à 100%. Ah ouais, c'est cool. Mais là, j'ai pas un crâne d'équilibre, j'ai un crâne de vitesse. J'ai pas assez pour Madame en bas, donc on passe de suite ici. Ah oh, non! Bon. On va essayer de jouer comme il faut, s'il vous plaît. J'ai déjà perdu au taquet de vie. Juste en faisant n'importe quoi. Attends, mais si ça c'était le. Bon, ok. J'ai pas regardé ce que je faisais, j'ai pas regardé ce qui se passait. Je me suis posé une... Mais oui, il me faut que 30 os, en fait, pour passer le voleur en... Enfin, ce qu'ils appellent légendaire, hein. Attends, on l'a déjà eu, elle ? Non, hein ? Oh, rends-moi de la vie, s'il te plaît. Oui ? Tu me rends de la vie ? C'est quoi ? Ah, il a changé ma capacité. Devient vulnérable et frappe avec Sada qui inflige des dégâts physiques. Ok. Est-ce que c'est mieux? On verra. Ah, c'est pas mal. Un crâne. C'est moi qui ai pas pris les crânes du jeu pour le moment ou... C'est juste que j'en ai pas croisé. Ok, super. Je me suis laissé faire. Oh non, pas ça. Elle est chiante, cette salle. Vite. Vite. Super. Je pense que je vais perdre. Hein. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas possible. Il me faut du skill. Allez, super, la boule de feu dans la tronche.
Un bonus? Ah, il me refile l'alchimiste, hein. Ah, je vais pas le prendre. On va de suite acheter à manger, voilà. Oh, le clown! Mais le clown, moi, je l'aime beaucoup. Bon, on va le prendre. On va le prendre parce que je l'aime beaucoup. Mais j'ai pas assez pour un objet. Bon, c'est pas grave. On va essayer de prendre des os. Ah, j'aime beaucoup le clown. Hein. En plus, il est un peu plus distant que l'autre. Hein, pour des dégâts plutôt corrects. J'allais dire, il m'attaque plus les gens, ça y est. Tant mieux. Hein. Super. Ouais. Je sais pas ce que je fais, mais c'est vraiment pas ça aujourd'hui. Ok, pas mal les diables sauteurs. Je crois qu'on l'avait jamais eu comme pouvoir. C'est pas mauvais. Et là on a droit. Oh, le génie! Le génie était rigolo. Ouais, je vais le prendre à la place de. Merde, je me suis trompé. Mais je voulais le prendre à la place du. Du voleur, oh là là. C'est pas possible d'être autant mauvais, c'est... Et vas-y, prends les dégâts, prends-les tous en cas, hein. Oh punaise. Ah, mais c'est le même que tout à l'heure. Ouais non. Je veux pas cette fois-ci. Allez, dégage. Je suis pas invincible, cela dit, quand je fais ça. Hein. Ce qui est bien dommage. Oh, de la vie! Bon, certes, en passif. Oh non, mais c'est le mid-boss. Bon, ben, j'ai perdu. Je sais pas si Frid va beaucoup m'aider, mais... Non, je pense pas. Ouais, elle est trop pénible. Elle a touché, ça va être l'enfer. On va peut-être changer de bonhomme pour elle. Ouais. Je me suis trompé de bouton, c'est pas grave. Ah, ok. Non, je l'ai pas vu sauter, bon, c'est pas grave. Non, non, c'était pas... Non, c'était... Sans commentaire. Sans commentaire. On va augmenter notre attaque physique. On a bientôt fini, cela dit, pour les... Pour cela. Ah, petit à petit, on va y arriver. Qu'est-ce que c'est ça? La gargouille. La gargouille de souvenirs... Ouais, bof. On va la prendre juste parce que... Ah, je préfère le squelette et transformer ça là. Oui, pas mal celui-là. Ça, c'est pas le meilleur objet du monde. Ça, c'est pas mal. Et on a droit à... Lorsqu'un ennemi est vaincu avec une compétence, accélère le temps de rechargement. Ok. Et bon, on va voir ce que ça donne. C'était un bug de frame. Ah bon? Ça m'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Mais pourquoi je... Je l'ai déjà vu 20 fois, ça. Elle est pas mal son attaque. Y'a pas de coffre, non, non. Bon. J'ai mal fait mon saut. Mais même les sauts, j'arrive même plus à les faire, sans déconner. Je suis nul. Aïe. Puis ouais, je peux le faire souvent en plus, là, la taillade. Ah mais oui, c'est parce que j'ai le truc qui fait que... Si je tue avec ma taillade, mon cooldown est réduit. Ce qui est plutôt fort, cela dit. C'est bon, t'as fini? Ouais, c'est pas mal, ouais. J'ai pas dashé. C'est complètement ma faute. On va essayer de viser des crânes. J'ai sauté dedans, bah oui, hein. Quitte à perdre de la vie inutilement, autant le faire. Hein. Sinon, à quoi ça sert? Et allez, la fleur au-dessus.
On souffle, tout va bien. On va y arriver. Ah, le retour du petit voleur. C'est non. On va garder celui-là et on va voir si je peux l'augmenter. Non. Et non. J'ai pas besoin d'attaque magique. C'est quoi la quintessence? On a droit à le canon à neige. Allez, on va le prendre parce que j'ai jamais pris. On verra si c'est fort ou pas du tout. Ça m'étonnerait, cela dit. Bon, j'arrive à te tuer, toi, tu penses ou pas? Non, je pense pas, hein, parce que je suis mauvais. Oh, c'est rigolo! Mais merde! J'ai pas vu qu'il attaquait pendant ce temps. C'est rigolo, ouais. Tiens! Bon, on s'en va, on sait jamais, voilà. Canon à neige! Ah, oh, mais je peux le faire souvent! Oh, c'est rigolo! Et j'ai pris le dernier coup, non mais... Je suis pas fan de l'arbre, moi. C'est quoi ça? Le troll. Oui, ça peut être bien pour un perso qui tape fort, mais non, le canon à neige est rigolo. Il a paru d'un coup sur toi. Ah! Tout à l'heure. Ok. Ça me rassure sur le fait que ben je l'ai pas vu venir. Merci. Je suis le soldat de niveau 2. On va viser des crânes encore une fois. Oui, ma taillade va être meilleure. Ça, c'est cool. Pourquoi je fais pas ma quintessence vu qu'elle est quasi gratuite? Comme ça, là. Ouais! Boing, boing. Ah, oh, c'est rigolo. Alors, on a droit à quoi? Encore la gargouille? Non. Ouf. Ah, au final, je pensais pas que les pistes, j'arriverais à m'en débrouiller avec. Pour l'instant, j'ai envie de dire, ça va. Mince. J'avais pas vu le... Le sorcier en dessous. Oh mince. Tchac tchac tchac. Allez, au revoir. Et c'est l'achat. Qu'est-ce qu'on achète, hein? Du critique, ça peut être sympa. Diminue les dégâts subis de 30% lorsque les PV sont en dessous de 30%. Malheureusement, c'est trop situationnel. Oui, situationnel. Je sais plus parler. Au secours. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. J'ai pris la vie, hein. Bah oui. À chaque fois, je me dis non, mais la vie, tu la prendras après. Comme ça, au moins, ça te soignera. Mais non, je la prends, hein. C'est comme sur Isaac. Sur Isaac, il faut toujours prendre les cœurs bleus après avoir battu le boss. Comme ça, au moins, quand tu t'en vas... prends ce que t'as besoin, mais non, je les prends de suite parce que je suis idiot. Je sais qu'il faut pas le faire. Oh, très bien, petite épée. Déjà qui faisait mal, mon petit bonhomme là. Ouf. Ah, j'ai pris un coup, très bien. Oui, il est pas mal l'épéiste. On verra en niveau 3 ce que ça donne, hein, parce que je pense que je vais l'avoir. Je dis je pense, mais on verra. On verra si j'ai la chance d'avoir un crâne en plus. Bon, bah j'ai pas de crâne en plus. On verra sur la deuxième zone. Allez, on essaie de pas reprendre des dégâts, j'en ai marre. Dash un peu trop de fois. Ah, j'ai oublié ma boule de neige. Go la boule de neige. Oh, elle est bloquée. C'était cool. Oh, c'était rigolo. Boule de neige.
La boule de neige. C'est bon, je l'ai fait sans prendre de dégâts. Ah bah oui. Parce que j'ai un succès, c'est célérité. Bon, je sais pas à quoi il correspond, mais je pense que c'est de l'avoir tué sans prendre de dégâts. Incroyable. Lors de l'utilisation d'une compétence, crée un orbe de feu. Ah, c'est très fort, vu que j'utilise beaucoup mon bouton. Là, pour l'instant, j'ai un stuff compétence. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ah, des crânes. C'est dommage que ça arrive que maintenant, mais des crânes. Tiens. Ouais, c'est cool. C'est très chouette. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment pas mal. Oh, il se défend bien, le petit soldat. Hein. C'est quoi, ça? On l'a déjà eu, lui? Oui, on l'a déjà eu, mais je sais plus ce qu'il fait. La alpheline. C'est elle qui soigne, alors. Oui, c'est elle qui soigne. Merci. Allez. On le prend, même si il aurait fallu... Ah, je pensais que la salle était terminée. Pas du tout. Super. Boing. Je l'ai lancé dans le seul trou qu'il y avait. Bon, écoutez, moi, je m'amuse. Non, toujours pas l'arbre. Hein, ça me tente pas. Au revoir. Mais il me faudrait un crâne. Hein. Il me faudra un crâne. Hein. Pour essayer d'avoir au moins l'évolution finale de celui-ci. Après, je sais pas s'il n'y a pas une autre évolution vu que tu pars de... Oh ! Vu que tu pars de 10. Ouais, je sais pas. On verra. On verra s'il y a une autre... Notre évolution. Bah déjà, ça serait bien de tomber sur un crâne. Ah, la boîte. Le gant était fort, oui. J'aime bien le gant. Oh, je peux acheter ça. Qu'est-ce que c'est? Accélère le rechargement des compétences. Encore? Bah écoutez, vu que c'est le premier que je peux acheter, je le prends. Et... Ah, c'est je les débloque. Très bien. Ok. Je sais pas. Mais je l'ai pas eu, en fait. C'est juste je les débloque. Ah si, je l'ai. Et en plus, je le débloque. Ok, bon ben on a notre... Ouf. Ouf, est-ce que je le fais ça? Oh! Maître bagarreur. Augmente l'attaque physique et magique! S'il y a au moins 4 ennemis autour de moi. Les détails pour la bagarre. En attaquant un ennemi quand il y en a au moins 5 autres. Ou toutes les attaques contre des ennemis ayant moins de tatata de PV font des dégâts. C'est pas... C'est pas ouf, parce que ça peut pas m'aider contre des boss. Ça peut m'aider dans le... Oh. Ah, c'est le bombardier squelette. Ouais, je vais le tester avant. Voyons comment il se bat. Ok, il se bat pas. Ah ouais, il se bat pas en fait. Ah, c'est dommage. Il se bat pas, il fait juste qu'exploser, mais j'imagine que ça doit être des dégâts assez monstrueux. J'imagine que c'est assez fort. Mais ça m'intéresse pas comme gameplay. Peut-être un jour, si j'ai que ça, pour voir au moins l'évolution, quoi que ce soit. Parce que... C'est vrai que ce jeu me donne vraiment envie à chaque fois de voir comment une classe... Enfin, comment un crâne peut évoluer. C'est vrai que ça donne envie, cela dit, de se dire, bon... Vers quoi ça peut aller, comment il peut progresser. Oh, le mid-boss. Ah. Tu vas encore te TP sur moi, toi, ou pas? Ouf, j'ai eu les deux, je suis content. Ah, je l'ai pas eu.
Ah, c'est le mien, orbe. J'ai cru que c'était celui de l'ennemi. Tiens, prends mon Yeti. Il est fort, mon Yeti. Ah, c'est pas mal, le Yeti, au final. Oh, le ninja. Le ninja, c'était très, très cool. Ah, la blague nulle, c'est nul. Hein. Ah oui, je vais prendre le ninja, hein, tant pis. Ah, le ninja était très très fort. Enfin, je m'étais bien amusé avec lui, du moins. Est-ce que je peux le faire évoluer, d'ailleurs? Ah non, c'est 100. Je vais augmenter lui, juste pour le voir. Et on va lui reparler pour voir si on peut le réaugmenter. Ah ouais, c'est en fait, je peux avoir une autre évolution encore. Bon, voyons ses pouvoirs, cela dit. Les détails. Triple perforation. Porte 3 attaques perforantes qui infligent des dégâts physiques. Les ennemis blessés reçoivent 2 fois des dégâts magiques supplémentaires. Ok. Ça peut être sympa. T'as bon, on va prendre des crânes. On va voir ce que ça donne. De suite. Ouais, ça l'a pas arrêté parce qu'il y a ça en plein milieu. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ok. Ouais, il est pas mal comme ça. J'aime bien. Ouais, mais le ninja, j'avais vraiment beaucoup aimé. Même s'il est très dur à contrôler, il est vraiment chouette. Ouais. J'aime beaucoup comment il joue. Ouh, tellement d'assiettes, calmez-vous. Moi aussi, je peux vous lancer des trucs dans la tête. Oh non, le clown. Bon, allez, j'arrête avec le clown. J'aime tellement le clown. Il est trop cool. Ah, c'est mort. Faut vraiment que je me dise que moi aussi, j'ai des boules de feu. Hein, parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de les esquiver. Hein. Oh là. Bon, j'ai pris le piège, c'est pas grave. Salut! Lui, j'aimerais bien. Il va m'augmenter la vie normalement, c'est ça, hein? Au moins de l'attaque magique. En fait, il augmente une stat. C'est dommage qu'il m'augmente l'attaque magique parce que c'est pas celle qui m'importe pour le moment, mais bon, je vais prendre. 405 pour la tasse à thé luxueuse. Quand la concentration commence, elle raidit les ennemis proches. Je ne sais pas ce qu'est la concentration. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc c'est vrai que sur le coup, bah, c'est un peu dérangeant. Ah ça, c'était cool, ça. Un peu d'or et des PV max. Surtout les PV max. Vu que je peux pas prendre le reste. Je sais pas ce qu'est la concentration. C'est ce qui m'embête. Oh! Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut arriver en bas sans mourir? Oh, bordel. Je crois que c'est ça. C'est quoi l'objet? Avant de l'attaque physique. Oh non! Je suis obligé. Ouais, pour descendre, ça va aller, mais... Ça va être pour remonter que ça va pas être la fête, hein. Ouais, c'est ça. Super. J'ai fait de la merde. En fait, si je prends mon temps, ça va. Ok. C'est quoi ça? Ah ben c'est l'orbe qui va là-dedans, je suis bête. Ah déjà, ben ça. Ah c'est la vitesse d'attaque aussi. Ah, ça il faut que je le garde. Les dégâts encaissés c'est bien aussi quand même. Faut pas cracher dessus. Oh peut-être le feu. Ouais. Ça, j'aimerais bien que ça me file des trucs, hein, mais bon, ça... Aïe. Oh! L'armure vivante. On l'avait pas déjà pris? Ah oui, c'est rigolo, l'armure vivante. Mais... vu qu'elle file pas mal de crânes, on va essayer de viser... une possible évolution avec soit le ninja, soit l'autre.
Ouais, le ninja est balèze, hein, frère. Ah, te soigne pas. C'est sympa. Oh. Eh bien, tu attires ta boule. Ah, mais il est mort. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il soit mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Mince. Mais... j'ai dashé, mais pas dans le bon sens. Je suis ravi. Toi, t'es pénible, toi. Ah mince, déjà elle. Ouf. Ouf. Là, ça risque d'être un peu plus coton. Après, je commence à avoir l'habitude, mais ouais, faut esquiver au bon moment, hein, j'ai envie de dire, comme d'hab. Allez, on y croit. Sur les sœurs Leyana. Et super, je les ai ratés. Ok, c'est parti pour une. Elle était derrière moi, tout va bien. Ça commence, quoi. La boule de neige, go. Si on peut lui casser les noisettes, ça me va. Je la vois pas attaquer. J'ai tellement d'effets que je la vois même pas attaquer. Donc on va faire un peu plus attention à ce qu'on fait. Elle, je lui ai mis par un nom. Ok. Donc, j'ai envie de dire, et d'une. Go. Je l'ai vu faire, je l'ai vu faire, mais je ne me suis pas poussé. Merde. Oh mais c'est pas possible d'être aussi bête. Mais j'y retourne dedans. Oh non. J'aurais pu faire ça avant, mais ça va. So far, so good. Oh là. Allez, on y croit. Oh non! Je vais mourir. Ouais, je vais mourir. Je pense. Quoi? Bon, j'étais pas dedans. J'étais en plein milieu. Ah, je suis déçu là. Bah. Mais monsieur l'arbitre, j'étais pas dedans. Non, parce que je veux des crânes et tout. Non, je veux toujours pas le bouclier. Pas besoin de me le refiler. Je l'aime pas. Hein. Allez, on va prendre le loup. Ah là là, mais quel cata. Et là, on a droit à... lorsqu'un ennemi vaincu... encore les compétences, bon. Oh, j'étais presque, c'est dommage. Bah, j'aurais dû prendre l'autre, il est plus rapide que le ninja. Le ninja est fort, ça, c'est indéniable. Le petit problème qu'il a, c'est que, ben... il y a... beaucoup de délai entre le moment où il fait son attaque et le moment où elle arrive. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça qu'il joue. Hein. C'est juste que j'aurais dû prendre l'autre. J'étais gourmand, c'est pas grave. Ouf.
Ouf, il a dégagé tellement vite lui. Ah, un objet pété. Augmente l'attaque magique de 7% pendant 8 secondes lors de l'utilisation d'une compétence maximum 70%. Quand même. Ça, en fait, faut spammer les compétences et puis tu gagnes quoi. Voilà, tu fais ça, tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Bon, c'est pas mal, ouais. Jack. Mais bon, faut avoir des ennemis pour avoir le reset de la compétence, c'est surtout ça. C'est la première fois que je les tue aussi vite. Ouais. Oh la vache. Et on a droit à l'arbre. Je comprends pas l'arbre. On va l'essayer. La gargouille, non. La mine, c'est non. Sauter sur les gens, c'est non. Lors d'un sprint, une flèche, bref, on prend ça, mais c'est pas génial. Voyons voir sur le mini-boss ce que ça donne, l'arbre. Bam, bam, bam. Ah, il tapote, mais... Enfin, il tapote. Je m'entends bien, mais... Par contre, entre mes flèches et les siennes, je vais peut-être avoir du mal à voir. Allez, ça c'est fait. Non, en fait, l'arbre il tapote, ouais. augmente ta physique de 40%. Wow! Mais oui! Et en plus, c'est un crâne de puissance, ça. Ben voilà, impeccable. Est-ce que je peux le faire évoluer vu que c'est un crâne tout pourri? Impeccable. Allez, go! Très. Ben au final. On va jouer l'arbre. Je suis l'être sylvain. Ah, et je fais des... C'est pas mal, parce qu'en plus, c'est en fonction de ce qu'on voit aussi sur l'écran, vu que ça a touché un type là-haut. Je retire tout ce que j'ai dit sur l'arbre pendant deux streams. Promis, je retire. Il est très rigolo. Enfin, il est pas rigolo, il est très fort. C'est un gameplay un peu basique. Et parfois être basique ne veut pas dire être nul. D'accord, ok, bon. Ouais, je retire. Je retire tout ce que j'ai dit sur lui. Jusqu'à ce que je perde et que je dise que en fait c'était nul. Le singe de pierre. Allez go. Je sais pas ce que ça fait. Oh mais c'est. On dirait Wukong. Il est rapide lui, c'est ça? Ouais, c'est une vitesse. Vitesse critique. Est-ce que je garde l'arbre? Ouais. Ou est-ce que je teste... Non, je vais tester les... Ah ouais, d'accord. Au niveau des gants, on en est là, quoi. Ok, très cool. Bon, on va peut-être garder notre singe de pierre. Hein. Et oui, vu que je commence, entre guillemets, à en suer pour augmenter mes... Attends, mais c'est quoi cette barre, là? 39. Je vais faire une giga attaque. Boum. Ah, oh, j'aimerais que ça soit ça. Ouf. Ouais, je pense que c'est ça. Quand je vais arriver au max, il va se passer un truc. Ah. Oh. Ah, je peux m'entraîner là-dessus. Allez, go. Voyons voir ce que ça va faire. Ça fait quoi quand j'arrive au max? Bon, ok, on lit. Oh. La commande Tata consomme 20 points de puissance pour invoquer un clone squelette. Ok. Ok, pourquoi pas. Bon, on va essayer de jouer le petit singe. Donc oui, je disais, comme on galère à augmenter les...
les stats de notre crâne de base, ben maintenant je vais pouvoir acheter des objets que l'on débloquera le long de l'aventure. Que les doubles l'emportent. Les doubles font beaucoup de dégâts. Merde. Mais... je vais tellement lui fracasser les dents que je fais n'importe quoi. Non, c'est pas comme ça qu'on joue. On esquive et tout. Merde. Ouais bon, ok. C'est rare qu'il me la fasse cette attaque, donc voilà, j'ai tout pris. Hein. Oh non, je vais perdre mon singe. Non, il faut esquiver ça et c'est bon. Dit-il, en se prenant la première boule dans la tronche. Allez, on fait plein de doubles là. Et ils font ya. C'était une très bonne idée d'avoir fait ça. Oh là 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 là. Très peu de vie. Le gantelet du berserker augmente la vitesse d'attaque jusqu'à... Ah oui, on prend pas... Bah là, vu que j'ai pas de vie, oui, ça va être utile. Elle demande combien l'araignée pour l'augmenter, lui. 10? Quoi? Ah, mais c'est de niveau 1 en plus, hein. Eh ben... Bon, on va repasser sur l'arbre, hein. Pas mal. Ok, j'ai pris des dégâts gratuits, je sais pas trop pourquoi. Oh, ah, j'aurais dû reprendre un arbre. Ouais, bon, on va garder l'arbre pour un moment. En plus, je peux augmenter sa vitesse d'attaque grâce... grâce au fait que je suis nul. De l'argent, oui. On va prendre des crânes, faire des os, si possible. Oh non, on passe tout ça là. Bon. Mais pourquoi j'ai pris des dégâts là? Oh, ça là. Ouais, super. Bon, petite pause. Une petite pause s'impose. Donc, je mets une pause, et je m'impose, et je vous dis à dans 2-3 minutes, ouais, 3-5 minutes. Allez, à toutes. Et voilà, j'ai bu un petit peu d'eau, ça fait du bien. Je sais pas pourquoi je vais l'avoir, parce que de toute façon, je ne peux pas lui acheter un truc. Bon, on va prendre ça en attendant. J'aurais dû voir les deux qui me proposent. Ouais, voilà. On va prendre le voleur, le petit voleur. Oh, avec de l'attaque physique en premier lieu, et de quoi enflammer, très bien. Et qu'on fait un bouclier de PV, bah dis donc. Je crois que le jeu commence à avoir pitié de moi. Je crois vraiment que le jeu commence à avoir pitié de moi. Il suffit qu'il me file un crâne légendaire là sur ce truc. Genre première salle crâne légendaire et oui, je pense que le jeu aura pitié de moi. Mais c'est pas grave, hein, on va le prendre, on va pas cracher dessus. Sauf si c'est le... J'ai oublié son nom, le Yukasha. Le Yakusha. Bon bref, ça. Celui qu'on avait eu la dernière fois. Si on a le même, on va le laisser. Non, c'est pas un rare. Oh, c'est le génie. Oh non, le génie, il est rigolo. Oh, le génie, il est rigolo. Ah, c'est quoi déjà son pouvoir? J'ai oublié. Se cache dans la lampe pendant 2 secondes, appuyer de nouveau sur le bouton. Le faire apparaître et porte un coup de poing qui inflige des dégâts physiques. Ouais, il est rigolo. Puis il est joli.
Bon, il est très inspiré de ce qu'on a pu voir chez Disney et puis des génies. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé les turbans. Voilà. Un jour, j'aurai un turban. Il sera moche. Ouais. Je suis pas fan du Minotaur, donc on va en profiter pour gagner des os. J'appuie sur le bouton. Ah oui, il est rigolo. Mais je vois la flèche arriver. Pourquoi j'appuie pas sur un bouton qui s'appelle le bouton de l'esquive? Sans déconner. Pourquoi je fais pas ça? Là, il est vraiment fun, le... Gérard Majax. Augmente l'attaque physique et magique. C'est cool. Ça peut toujours être utile pour tout le monde, ça. On verra en fonction de... si j'ai assez de crâne pour faire évoluer le génie ou pas. Bam! Check, check. C'est drôle. Oh. Check, 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 check. Non, il est sympa, le génie. On va dire qu'il y a... Bon, après, je l'ai jamais monté jusqu'au maximum, mais je pense qu'il peut y avoir mieux, mais il peut y avoir largement pire. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Rien du tout, trop bien. Le crâne d'eau. Oh, je suis pas fan du crâne d'eau. Le taux de critique ou lors d'une attaque en sprint, il y a 30% de congé les ennemis touchés. Et réduit les dégâts dessus. Bon, on va prendre le critique, hein, c'est con à dire, mais... Ça peut fonctionner. Surtout sur eux, là. Sur elle. Check. Ouais, bon, ça va pas être le... Oh mince, j'ai pas appuyé sur le bouton. Mais tu me fatigues, madame. Il y a un piège, je le vois. Hein. Ils s'en vont, ces pièges, ou... Non, ils s'en vont pas. Bam. Bon, là, on va falloir se barrer. Oh, la vache. C'est bon, t'as fini. Tu oses. J'ai pris la flèche. Heureusement que j'ai mon bouclier depuis tout à l'heure. Une quintessence, explosion de mana. Un golem de mana qui infloge des dégâts. Qui infloge, oui. Il les infloge. Non, on va prendre l'armure. Même c'est parce que j'aurais pas pu augmenter de toute façon. Donc c'est pas grave. Bon, on va rester comme ça avec notre génie. On va essayer de viser les crânes. Enfin, les os. J'ai vraiment du mal. Hein. En même temps, c'est salle de crâne qui nous file des os. Non! J'ai tellement bien fait de me foutre dans ma lampe. Parce que là, je vais prendre Bagdad. Toi, t'es pénible. Non, la vie! Bonk. Ah, de la vie. Cool, une salle de crâne. Gagner des os. Je me suis laissé avoir, tant pis. C'est pénible ce lierre sur cette map là. Il est pas évident à les choper. Donc. Non mais non. Ça m'apprendra à être dissident, tiens. Ah, Kratos. Il est fort, Kratos, ou pas? J'ai oublié. Oh, c'est... Ouais, j'aime pas.
pas fan des puissants, moi. C'est... Ouais. Ah, je peux acheter une nouvelle quintessence. Golem d'acier. Allez. Vu qu'il n'y avait pas de quintessence de dispo. Le sprint, l'attaque magique... Ou l'attaque magique. Non. On va prendre l'Empire. Parce que l'Empire, je crois que je suis à 3, là, non? Ah, je suis à 5! Wow. Impressive. Oui, oui, être près du drapeau augmente l'attaque et... c'est très bien, voilà. Oui, oui, bah, augmentons l'Empire et puis... Jouons autour de l'Empire quand, quand on aura des boss. Boum. Oui, c'est je tape plus fort, donc évidemment que je vais le faire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Ah oui, d'accord. Bon, ben, prenons des dégâts physiques. Hein. Je vais pleurer, tiens. Tellement ça fait... Tellement c'est pas bien. Ah non, c'est très très bien, ça. Très 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 bien. Damn. Je suis content. Oui, je crois que le jeu commence à avoir un petit peu pitié. Pour l'instant, ça se passe très bien. Ah, lors d'un échange, étourdis les ennemis proches. Bah, je vais le supprimer de suite parce que... Non, je suis con. J'aurais dû prendre le passif. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai fait une bêtise, oui. J'aurais échangé après. Quel idiot. Ah, là. Esquiver, c'est optionnel chez moi ou pas? Tum. Mais pourquoi je prends des dégâts? Je comprends pas. Blanc. Ça c'est fait. Première phase est faite. Bim boum bim. Bim boum bim. Ouf. Bim boum bim. Bim boum bim. Ah, là j'ai jamais compris. Bah faut juste sauter comme un idiot apparemment. Et pof, ça fait des chocs à pic. Très bien, super le génie. Et en plus je vais pouvoir l'augmenter. Et ça c'est fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Les attaques d'objets réussies augmentent l'attaque physique de 80%. Les attaques d'objets? Quoi? Manatech. Lâche une pièce de Manatech lorsque la compétence est une... Lorsqu'un effet de statut est infligé aux ennemis, les... Hein? Ah là là. Une attaque d'objet. C'est-à-dire... Ah, je crois comprendre. Les espèces de boules de feu que je fais autour de moi, parfois. Si ça fonctionne, ben je peux avoir un truc mieux. Peut-être. Ok, il a le swag, le génie, mais il est incroyable. Il est très cool comme ça. Il a un petit bâton là. Paf, pif, pouf. Ah oui. Ah, c'est très très cool. Et rigolo. En fait, à chaque classe, de toute façon, je vais les augmenter. Je vais dire, ah, c'est rigolo. Je me connais, hein. Ça, je suis un peu con. Ou alors, on peut voir le côté positif et dire que je m'amuse d'un presque rien. Oh, ce qu'elle a pris, elle!
Je vais lire les compétences du génie s'il n'y a pas un truc que j'oublie. Lors d'un sprint, se téléporte à l'avant et crée simultanément une image miroir de lui-même qui donne un coup de poing. Ok. Donc si je fais ça par exemple, ok. Oui, il est sympa. Je vais dire un peu lent, mais ça c'est... Oui, il est puissant en plus. Et j'ai droit à l'alchimiste qui fait une fiole de flamme, je l'avais jamais eu. Mais vu que j'ai du physique, ça sert strictement à rien. Oh, encore le clown. Mais arrêtez. Arrêtez. Lors d'un sprint, lance un poignard. C'est cool. Augmente les PV max. Les dégâts infligés font mal et congèlent les ennemis aux alentours. Allez. Moi, je veux ça comme objet. À la place de... ça, j'ai pas compris, donc je pense que... Ouais. Désolé, mais... Augmente l'attaque magique, non. Je vais peut-être prendre ça, oui. À la place de... l'argent. Et est-ce que je prends la quintessence ou... Merde, j'ai oublié, c'est quoi la quintessence? Ah oui, c'est le coup de poing. Qui inflige des dégâts physiques aux ennemis proches et ça perdure pour... pendant 10 secondes et augmente votre rechargement de 200%. Bon, on va le prendre, ouais. Bon, Ah, je pense qu'on va... on va s'en sortir, là. Ouais, ok. C'est fort, hein. Là, j'ai un bon combo. Donc, ce qu'on va faire, c'est viser l'argent et les crânes. Pas besoin d'objets. Pas besoin d'objets. Ah! Est-ce que je peux me permettre de le faire avec celui-là, sachant qu'il peut éviter des coups quand il est dans la lampe? Qu'est-ce que c'est? Tous les projectiles explosent au contact, infligeant des dégâts purs. En chargement, 0,5 secondes. Quoi? Mais j'en ai pas de projectiles. C'est bien dommage. Ah si, j'ai ça, mais est-ce que c'est considéré comme un projectile? Parce que de toute façon, ça va remplacer un objet que j'ai déjà. Et pour l'instant, les objets que j'ai déjà sont bons. Non, on va pas... non, on va pas tenter le diable. On va prendre nos petits crânes. Et donc, nos petits os. Ouais, c'est peut-être considéré comme des projectiles, mais... ouais, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Oh ouais, c'est très cool. Le fait d'avoir du gel passivement, c'est très très cool. Ouais, pour l'instant, il se défend très très bien, mon génie. Oh la vache. Arrête de courir, toi. On dirait le mec dans les jeux Hercule. Partout là, le j'ai oublié comment il s'appelait, mais il est marrant. Oh non, pas la prêtresse. Bon, le but, éclater la prêtresse, hein. Donc c'est parti, vas-y, reste dans ma zone surtout. Ah, j'ai ça là. Bon, mais elle est morte, fallait pas m'embêter, hein. Pas embêter les gens comme ça. Ça sert à rien. J'avais pas fait attention à ma vie, cela dit. Je pensais plus à fracasser la... J'ai marché dans son piège, je crois. Tant pis. Je pensais plus à tuer la... Allez, on prend ça. Il me faut des os et des roseaux. Parce que je voudrais, si possible, choper la dernière évolution du génie. Ça va être dur, c'est vrai, mais...
Qui je soigne? Toi. Assassin. Elle, si on peut la tuer vite, ça m'arrange. Très bien. En plus, j'ai repris de la vie dessus. Pour l'instant, hein, tout va bien. Ah, punaise, ces archers à la noix. Paf. J'ai dashé dans sa lance, mais il était congelé. J'ai quand même pris des dégâts à cause de ça. Quel dommage. Hop là. Ouf. Mais bon. Oui, bordel, oui, voilà. Autant finir. On va acheter de la vie, hein. Oh, un gros gâteau d'anniversaire. Ah, dommage, un nouvel objet. La flamme intérieure. Lors d'un échange, augmente l'attaque magique de 60% pendant 60 secondes. C'est pas mal. C'est même bien, hein. Enfin, la vitesse d'attaque, les dégâts infligés par derrière, ou le rechargement des compétences. Mais, encore une fois, désolé, mais mes items me vont, donc... Je vais pas m'embêter avec ça. Mais... C'est pas possible. J'arrive pas. Je n'y arrive pas. Je suis content d'avoir acheté mon gâteau d'anniversaire. J'ai déjà perdu toutes les vies que j'avais dessus. Trop bien. Alors, non, pas les trésors, mais on va reprendre l'or. Jusqu'à ce que je trouve, ben, ce qu'on va dire, mais un objet qui vaut vraiment le coup. Je dis pas qu'il n'y a pas d'objet qui vaut moins le coup, aussi. Si, si, j'ai dit. J'ai redashé dedans. C'est dommage. La musique de ce niveau. Des crânes. S'il vous plaît, filez-moi un crâne un peu pété, comme ça moi je peux le transformer en chose. En os. Ouais, vraiment, ouais. De la régène de vie. Ça, c'est beau, ça. J'ai pas vu que derrière, il faisait la même chose. Ah ! Tout va bien. Maîtrisé. Tout va bien. Oh ! Allez ! Donnez-moi un truc bien. Je veux monter mon génie. Ouf. J'ai du bol de passer derrière au dernier moment. Mais qu'est-ce que... Bon, j'ai un mage qui veut pas. C'est bon. J'ai pas vu les pièges. Mais bordel! Pourquoi? Et c'est pas mal, mais c'est pas assez. Tant pis. Je pense qu'elles vont me fracasser.
Mais après, j'ai de quoi survivre sur... J'ai de quoi survivre sur les attaques un peu pénibles en restant dans ma lampe. On verra. On verra, on verra. Super, j'ai tout pris, c'était pas possible. Ouais, bon, pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Soyez gentil. Mais oh! J'ai même pas le temps de sortir de ma zone. J'ai pas fait ça, c'est vrai. Mais. Ah, j'avais déjà utilisé mon autre saut. Bon. J'ai encore perdu. N'importe quoi. Voilà. Vas-y, reprends un coup, va. Ça m'énerve. Et là, je l'ai pas pris le coup. Ouais. Oh là là. Mais je pourrais jamais esquiver l'autre quand elle aura phasé. Il me reste 7 points de vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas vu le trait. Bon, ben allez, on recommence très vite, voilà. Ah merde, j'ai pas vu. J'ai appuyé sur 1 en plus. Bon, c'est pas le pire, mais... la petite épée était bonne. Ah là là, mais quelle galère. Super. C'est pas les meilleurs objets de départ. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Punaise! Je vais pas y arriver. Hein. Est-ce que je fais trop confiance au crâne que je chope à chaque fois? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas trop ce que je fais de mal, donc... Enfin... Prêt de mauvais. non, le bombardier, ben je... Je comprends pas le but. Ouais, je comprends pas le but du bombardier. Pour le moment. Peut-être qu'un jour je comprendrai, mais là j'ai pas compris. C'est juste, bah, t'explose quoi. Ok, ça peut être bien, mais. Ça dépend de la situation, ça dépend de tout truc quoi. Mais par contre, il picote hein, maintenant le soldat. Hein. Comment il s'appelle exactement? L'épéiste. Bah, ça se voit. Ouais. le crâne de glace. On l'a eu déjà? Ah peut-être, mais je l'ai pas joué beaucoup alors. Bah c'est parti, go le crâne de glace. Un peu de changement de gameplay. Ok, c'est un truc item magique, ça tombe bien parce que j'ai un... Mon premier item augmente beaucoup l'attaque magique. Ok, par contre mon... Mon pouvoir c'est d'être un bloc de glace. Ce qui me permet d'esquiver des attaques. Ah, ça m'a fâché. C'est quoi ça? Ah, le Yeti. Vas-y, go le Yeti, c'était marrant. En plus, bon. Il y avait du critique, mais je sais pas si on a du critique en magique. Oh non! Pas Naruto.
check, 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 check. Oh. Ah mince. J'ai oublié mon Yeti. Et lui en fait on peut pas l'arrêter pendant qu'il fait ça. Je viens de penser. C'est un des seuls où on peut pas enlever son attaque balèze en le frappant aussi fort qu'on peut. Ou alors je me trompe. Bon, en même temps il a pas beaucoup résisté. Le crâne d'eau, non. Ah cool, j'ai 30... Oui, oui madame, donnez-moi ça. Je vais être la giga glace. Ok, voyons voir. Ah, ça le fait plusieurs fois ou c'est juste que la glace... Ok, bon. So far so good. Je crois que mes attaques de base refroidissent les ennemis, ou juste d'être à côté d'eux, ça les freine. Allez, on lit. Irradie le froid en permanence, ce qui ralentit les ennemis, bon ben voilà. Et inflige des dégâts magiques en continu. Les attaques normales ont 10% de chance d'infliger un effet de congélation aux ennemis touchés. Et inflige des dégâts magiques aux ennemis proches avant de s'envelopper de la glace et devenir invulnérable. Après son hibernation, génère une explosion, très bien, et crée un iceberg qui crée des dégâts magiques aux ennemis, qui entre en contact avec lui. Lorsque l'iceberg disparaît, il génère encore... Ouais, ok. Allez, c'est parti. C'est parti, Glassman. On est le glace. C'est bizarre qu'il inflige des dégâts en continu, mais je vais pas dire non. Ouais, c'est j'ai envie de dire classique. Classique, mais pas nul. Qu'on voit un peu ce que fait la glace. Et toujours le crâne d'eau, j'ai dit non. Ne me donnez pas ça. Des brochettes de mauvaises herbes. Non. Ah, tiens, la goule. Désolé, je suis pas fan de la goule. Ah, cool. Ça, j'aime bien. On sait jamais, mais... C'est pouvoir lancer du shuriken en même temps, même si c'est du physique, et que je fais de la glace, que je fais du magique, pardon. Ça peut toujours être utile, 2-3 dégâts en plus. Ok. Au revoir. Well, well, well. Oh, la moto! Bon, c'est pas grave. On va viser les objets. Et les os. On va voir si on arrive à faire le statut légendaire de celui-là. Je sais pas si on va y arriver, mais pour l'instant, on est bien parti. Ok, bon, on verra si le critique fonctionne. Cette fois-ci. Parce que c'est compliqué, je trouve, de voir des dégâts critiques en magie. Là, ça... Il y a eu du critique en magie, mais... Ouais, c'est vraiment pas mal de congeler les gens comme ça. Ah, Twenya! Pas mal. On avance. Et on va essayer de pas faire n'importe quoi. Tut, j'ai cru que tu allais prendre la moto. Et non. La moto, on sait à peu près ce qu'elle fait. Donc, je voulais vraiment éviter n'importe quoi. Je voulais vraiment essayer de nouvelles saveurs. Et là, on passe au sorbet glacé. On va voir ce que ça donne. En plus, j'ai ma boule de Yeti, là, qui fait n'importe quoi. Je suis full glace. Je suis full glace.
Bah pour l'instant ça fonctionne pas mal, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais. Pour l'instant, je valide. Après, bon, c'est un crâne, on va dire, de niveau 3. Niveau 1, c'est le 0 host. Niveau 2, c'est 10 en évolution. Et niveau 3, c'est celui que j'ai. Pour arriver au niveau 4. Allez. Ben... pour l'instant, je suis content. Ça peut éviter qu'ils me cassent tous les bonbons. Oh là là! Allez, ça évite qu'ils me les brisent bien comme il faut. Il faut que je balance ma boule de glace plus souvent. Parce que c'est bien aussi. Ça me permet de les arrêter et de faire des dégâts, sachant qu'elle revient assez vite. Cette hente doit avoir un côté masochiste vu le nombre de fois que tu l'as tapé. Oui. Malheureusement, j'ai pas le choix que de passer par lui. Et oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Bah non, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Sur Rose of Hammerwatch, tu peux passer d'une zone à l'autre dès le départ si tu fais un challenge qui est un peu compliqué. Mais vu que le côté roguelite est plus intéressant sur le côté comment dire, évolution de personnage, c'est vrai que c'est plus facile. Allez, le chevalier harpie, qu'est-ce qu'il fait déjà? Ah oui, des os. Donne-moi des os. Et toi, des os. Le petit voleur, non merci. J'apprécie, mais non merci. Des objets. Augmente l'attaque magique de 45% pour chaque esprit possédé. Merde, j'ai pas d'esprit. Bon, on va prendre les PV. J'ai pas d'esprit. Ça peut être très bien, ça aussi. Comme l'a dit tout à l'heure Evil Carnage. C'est si tu as les 5 esprits et que t'as 7 objets, mais t'es increvable, en fait. Et tu fais des dégâts monstrueux. Déjà que les esprits sont forts. Ouais, y a un truc intéressant à faire. Je ne crains pas la glace, monsieur. Et comme dirait... l'autre, je n'ai pas peur des ordinateurs. Check. Non, même d'avoir pris le shuriken, ça fait des dégâts potables, hein, par rapport à l'auto-attaque que j'ai. Non, pas le bouclier squelette. C'est non. Check. Oh non. Ouais, la glace, la congélation, le fait qu'elle puisse se propager sur les autres, bah ouais, c'est très fort. Il me manque juste l'item de... Quand un ennemi est congelé, qu'il fasse une espèce de tornade autour de lui. Et qui fait que ça se propage sur les autres. Allez, des PV max, je prends. Et de l'or. L'or, on s'en fout un petit peu, cela dit. Ah, quoique non, j'en ai pas beaucoup, donc on s'en fout pas. Merde. Ah, merde. Non. Oh, tant pis. J'ai pas voulu prendre de dégâts sur lui, mais... mini-boss. Oh, j'en ai marre de la mage. Après, je pense que je peux vraiment leur faire très mal. J'ai pas vu tomber. Mais laisse-moi passer. Je me suis trompé de bouton. Oh non. Aïe. Voilà. On continue. Ça va, madame? Check. Ça s'est plutôt bien passé. À base de
Check, check. Pourquoi il me file un crâne qui vaut 5? C'est nul. Voilà, à cause d'eux, ben, je peux pas augmenter. Il m'en faut 100. Allez, courage à moi. Après, mes attaques viennent très vite. Ce qui va être pratique contre les... Les... Comment ça s'appelle? Les deux sœurs, les Yana, là. Mais bon, va falloir faire gaffe quand même à ce qu'elles font, parce qu'elles sont d'un pénible. Check, 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 check. Il me manque un ennemi. Oh bordel, deux même. Mais ils sont où? Mais je les ai pas. Bonjour, vous êtes qui vous? Oh mais c'est... Eux ils sont pénibles par contre. Merci de m'avoir fait perdre de la vie. Pour pas grand chose. C'était une salle à crâne ça non? Ouais. Oh! Ah l'armure vivante. Allez, j'y suis presque. Encore deux salles. Et c'est bon. Au niveau de... des sans-os. Ouais. Eh, je pense que je vais pas l'atteindre avant la prochaine zone, malheureusement. Il me faudra un peu de chance. Ah, cool. Faut que ça soit aussi un bon crâne et on est bon. C'est la première fois que j'ai cette pièce, tiens. Non, je crois que j'ai déjà eu. Mais qu'une fois. Le type au milieu qui me veut pas forcément du bien. Tiens, prends mon Yeti. Encore un crâne. Ah, c'est Dead Cells. Eh bien, au revoir Dead Cells. On va prendre notre personnage de glace. Je pourrais l'augmenter si je passe le boss. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Oh non, je suis tombé. Non, 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 merde, merde. Niveau vie, on est bien. Ah, j'ai pas vu l'autre. Oh là là. Vite! En avant, Yeti! C'est Georges. Ah, ça, je veux bien de la vie avant de... Qu'est-ce que c'est? Lorsque les PV descendent en dessous de 20, elle restaure 40 points de vie, elle disparaît avec l'activation de son effet. C'est bien et pas bien. En même temps, ça prend un item pour pas grand-chose. Accélère le rechargement de sprint. Ah non, bah non, on veut des dégâts. On veut des dégâts. Et de l'argent. Allez, c'est parti. Ah, Satan épique! Au final, j'ai pas été touché par. Ouais, la congélation, ça permet vraiment d'annuler les attaques des ennemis de base. Ça va pas fonctionner contre les deux là, mais. Oh non! Ça, c'est vraiment une salle un peu à la con. Désolé du mot, mais. Je vois pas autre chose. Pour la définir. C'est bon? Ok. Alors, ensuite... Bah, on... C'est quoi cette salle? Mais c'est quoi cette salle? Mais c'est pas la salle qu'on a d'habitude, si?
Bah non. Ah si, mais j'ai fui. Qu'est-ce qui me prend? Eh bien, je sais pas. C'est pas ce qui m'a pris. Allez, on y croit là. Bordel. Ouf, l'orage se lève. L'orage se déchaîne. Allez, go. On joue comme il faut. Dommage. Allez, allez. Ah. Mince. J'ai pas vu qu'elle faisait un gros combo comme ça. Non, j'ai lâché dedans. Oh mais merde. Pardon. Ok, j'ai bien fait d'esquiver. Non, mais je vais dedans. Ah, j'ai juste à faire attention, sans déconner. Allez. Moi, j'y crois. Oui. Bon, déjà, ça, c'est bon. Ensuite. C'est là où ça va devenir beaucoup plus compliqué. Deuxième phase. De Madame la Vilaine. Ok, je vais dedans. Ok, je revais dedans. J'esquive plus, ça y est, c'est fini. Ah, mais il reste déjà que un tiers. Fait que... Hop. Tiens, prends mon Yeti. Mon Yeti, il t'aime. Moi, non. Oh là là, ce qu'elle m'a mis. Mais je suis allé dedans, mais c'est pas possible, non, je vais perdre encore un point de vie. Oh, non, je vais perdre, sans déconner. Oh. Oh la vache. Bon, bah, je vais apprendre que tu vas te faire découper, toi, monsieur, donc bon, hein, fais pas le beau. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Masse d'acier de guerrier. Assommer un ennemi inflige 60 dégâts purs supplémentaires. Les attaques assomment les ennemis toutes les 10 secondes. Oh. Ah ouais, c'est plutôt cool ça. Qu'est-ce qu'on vire? Bah l'attaque physique, hein. C'est... Désolé, mais j'en ai pas besoin. Vu que je vais pouvoir augmenter Monsieur la Glace. Yes, tu l'as eu, oui. J'en ai sué, mais je l'ai eu. Et là, on va pouvoir augmenter le petit monsieur de la glace. Oui, je veux la glace à fond, la légendaire. Tada! Oh! Ah, l'écran et tout. Quoi? Non. Il radie le froid en permanence, ce qui ralentit les ennemis, comme d'habitude. Inflige un effet de congélation toutes les 30 secondes dans une large zone, qui inflige des dégâts magiques. Oh là 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 là. C'est beau. Est-ce qu'il y a mieux au niveau des attaques? Lui, il est plus grand. Et ça... Ok. Oh, mais j'attaque tellement plus vite. Ok, j'ai des chances de réduire... J'avais pas vu ma vie, par contre. Hein. Merde. Mais j'ai les chances de les glacer, ou pas? Pour arrêter les... Vite. Mais qui les régène, là? Mais oh, c'est pas possible, je vais perdre. Oh non. Ah là, j'ai fait de la... C'est ça qui les régène. Vite, vite, vite,
Vite. Ok, c'est bon. Je peux pas les congeler. Et c'est maintenant que tu fais l'effet, toi. Jack in a box. Eh bien, désolé, c'est non. Je m'en fiche un peu du Jack in a box. Faut que je fasse gaffe qu'il me pète pas au visage. Oh la vache, mais qu'est-ce qui se passe? Trop d'effet. Non, 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 non. Ok. Faut vraiment que je me concentre sur les... sur les alchimistes qui font des... des trucs pas nets. C'est-à-dire comme tous les alchimistes. Oh là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les fioles qu'il y avait au-dessus qui ont explosé. Ça sent pas bon, hein, mais bon. On va voir. Du moins, ça sent pas du tout bon pour le... pour le boss, hein. Je sais pas trop... je vais pas pouvoir le geler. Après, bon, maintenant, je connais un peu la... un peu. Je connais la zone, vite fait. Arrête de m'embêter, toi. Oh ! Mais... ah, je suis censé le savoir, hein, qu'il m'explose au visage, maintenant. Mais... pourquoi il m'a fait des dégâts ? Ah, et mon effet qui s'active maintenant, mais... toi, meurs vite. Merci. Ya, 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 ya. Ah, et on raya. Et on recule. Est-ce que je le remets, par contre? C'est un peu indécent. Oh, de la vie! Mais pas au poulet. En cas de succès, du coup critique crée une explosion. Qu'est-ce que c'est que ça? Augmente l'attaque magique de 60%. Oui. Je veux l'item, oui. À la place de quoi, cela dit? À la place de ça. Ouais. Ma quintessence est bonne, mais est-ce qu'il y a mieux Ifrit? Ah donc, il y a Ifrit et il y a Ifrit. Quoi? Ou c'est moi qui dis des grosses conneries? C'est possible. Hein. Ah mais pourquoi je tape ça moi aussi? Il y a des monstres dedans. Ouais, c'est ça. Oui, bon, je voulais vérifier. Congèle, je vous congèle. Oh non, ils explosent. Les deux. J'ai pris les deux. Tu peux me donner de la vie, s'il te plaît. Bonjour. La vitesse d'attaque. Bon, c'est pas mal, parce que ça me permet peut-être de glacer les gens plus vite, mais... ouais, je me sens moyen. Oh! Qu'est-ce que c'est? Le prédateur. C'est non. Je vais rester avec ça jusqu'à la fin, hein. C'est bête à dire, mais j'ai tout pour. J'ai tout pour le jouer. Je vais pas m'amuser à... Saligo. Ouais, non. Non, non. Désolé. Porte qui claque. Ah là là. Ok. C'est bon, il n'y a plus personne. Allez, le mid-boss qui risque d'être un peu chiant. Bon, on va voir. On va essayer de se concentrer, de faire ça comme il faut. Ouais. On va essayer de laisser le ninja là où il est. Ou alors d'aller chercher l'archer. On va peut-être aller chercher l'archer en première. Parce que là, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, le ninja est très chiant.
Oh merde! Pardon. Il faut éclater le ninja. Ok. Ah mais il reste que lui. De la vie, merci. J'ai failli faire de la gigadobe. Waouh, j'ai pris très très cher. Donnez-moi de la vie. La fierté du géant. Bouclier. Allez, je prends. Certes, ma balle était forte, mais alors, si je peux avoir du bouclier, je vais pas dire non. Et toi, tu... Ouais, voilà. Bon. Les humains ressemblent d'une sorte de... Ah oui, bon, ça, on l'a lu. Ouais. Ben, j'espère trouver un magasin très vite, parce que là, ça craint. Ça craint. Jusque là, tout va bien. Là, ça va plus. On prend les boucliers. Ok, je savais pas que ça pouvait faire ça en l'air, mais c'est nul. Ok. Jusque là, on avance. Cette salle, c'est un enfer, hein. Oh, mais... Voilà, pour être poli. Ah, quel enfer, cette salle. Oh. Qu'est-ce que c'est? L'utilisation des compétences réduit leur temps de rechargement de 1 seconde toutes les 4 secondes. Non. C'est fort, mais non. Je vais pas m'embêter avec ça. J'ai juste à attendre en fait. Ah non, c'est bon. Ouais, là c'est dur, hein. Sans déconner. Les deux ennemis. Il reste des âmes en cas si mes éclairs touchent toutes les fioles. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien du tout. Ok. C'est bon? Non, il en reste un. Je sais pas ce que c'est. Clac. Ok, il est mort. Ça serait bien d'aller voir s'il a pas lâché de la vie. Ouais, j'ai bien fait. Ouais, super, tout ça pour prendre des dégâts derrière. On se casse avant que les fioles soient touchées. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, merci. Au revoir. Oui, la vie, oui. Oh, mais c'est nul. Oh, je peux prendre ça, c'est quoi? Augmente l'attaque magique de 30% lorsque l'épée solaire est équipée. Harmonie s'active. Ah, mais j'ai pas l'épée solaire, c'est bien dommage. Ça semblait être prometteur. Écoute, on va le prendre juste pour le débloquer. Et on va prendre... On va faire quoi à la place? Ouais, ça. Est-ce qu'il y a un très bon objet? Non. Ah, dommage pour la vie, là. Hein. C'est... Ouais. Attention à tout là. Oh non! De la régène, de la régène. Et surtout éviter que eux ils l'aient la régène. Oh mais. Super, j'ai laissé le feu. Je l'ai laissé faire. Allez vite! C'est pas de tout repos ce jeu là. Et c'est surtout que j'ai peur de pas arriver comme il faut. Oh là là, mais qu'est-ce que je dois faire là?
Ok, c'est bon. Mais ça m'énerve qu'il me saute dessus comme ça là. Ok. Mais c'est quoi tous ces pièges à la... Mais il y a des gens là. Bonjour. Mais vous allez mourir. En fait, vous courez vers votre mort. Je vous laisse faire. Écoutez, allez-y. Et moi, je ramasserai s'il y a besoin, d'accord? Allez, bisous. Là, check check. Voilà. Au revoir. Toi aussi, tu vas pas mourir? Bah attends. Parce que mon but est de me concentrer sur la boule au-dessus. Je peux me mettre là. C'est pas évident, mais ok, soit. Allez. Si on fait doucement, on peut y arriver. Oh non, mais il en manque un, mais... Mais il veut pas mourir. Contre les pics, là, en bas. Je vais jamais y arriver. Sans déconner, t'es pénible, toi. Tu le sais. Oui, tu le sais. J'ai tellement peur de perdre la vie inutilement sur ces pics. Mais j'ai tellement peur. Allez, c'est bon. On va partir là-dessus. Oh là là, tellement de potions. Ouais, bon, d'accord. Mais c'est pénible. Arrêtez. Oh, de la vie. Non, non, non. Mais... Ah, c'est pénible. Après, c'est ma faute. Hein. J'ai un truc pour avoir des boucliers, je le prends pas. C'est à moitié ma faute. Faut bien que ce soit la faute de quelqu'un, mais pas la mienne. Oh là là, mais quel enfer. J'ai plus de vie. Allez, ça, on l'a eu tout à l'heure. C'était nul. Il y a tout qui pète, par contre, là. C'est... Très appréciable, hein, on adore. Alors vous, par contre... Certains des monstres... Oh non, mais il en reste un. Qui est-ce qui reste? Un arbre. Ok, pour un point de vie, t'aurais pu au moins faire un effort. Super, on arrive au boss et j'ai encore pas de vie. Ah! Après, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc là sur le côté, non? Non? Rien du tout. Bon. Ah, je vais jamais y arriver, là. Allez, go. Je peux pas passer le dialogue. Ah, ben... Voilà. Allez, c'est la mort, hein. Bah, les dégâts sont là, mais... Je sais pas si ça va rester comme ça, en fait. Ah, ok. Tu vas arrêter, par contre. Je regarde au-dessus de ma tête, surtout. J'ai pas bien joué. Pas bien du tout. Allez, un peu de bouclier. Ça peut toujours m'être utile, là. Ok. Là, je sais plus. Ah, merde. Pardon. Il est super dur. Le palais dans le moisi. Oh, mais c'est trop dur à esquiver, ça. Mais on a bien avancé. Le perso de glace est très fort. Voilà, on le saura. Bon, on va pouvoir augmenter des trucs. Ah, déception. Déception, déception. 1400. On prend des PV. Oh, c'est 300 ça, à augmenter. Ben non.
Ah, quoique. Ça. Aïe, aïe, aïe. Oh, le singe. Cool. Bon, on en fait une dernière, après j'arrête. Très dur, la chimère. Après, je crois qu'il lui reste un tiers de vie. Bon, c'est pas mal, on va dire ça comme ça. Et là, on a droit à augmenter temporairement l'or obtenu en éliminant les ennemis. Un petit départ en or sympa. Oh la vache, qu'est-ce qui est dur. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir avoir des nouveaux trucs bientôt. Donc. Ouais, on va pouvoir avoir des nouveaux objets. C'est plus on avance, plus je vais pouvoir gagner des nouveaux objets. J'ai pas dit qu'ils sont tous bons, hein. Et des nouveaux crânes aussi. On te voit bien, toi, qui tu es. Après, ça, c'est des... pour changer la compétence, c'est non, parce que de toute façon, je n'ai pas assez d'argent. Allez, on va choper les crânes. Je pourrais le refaire. Mince. Tape fort quand même le singe, hein. Oui, pas mal. Non. Je vais prendre plein d'os. Ah, une épreuve. Une épreuve pour avoir le truc des... Ouais, les esprits possédés. On va y aller. Ah, mais il faut vraiment passer par là-bas. Après, j'ai 180 points de vie. Pour je ne sais quelle raison. Si c'est juste du parcours, ça devrait le faire. Ok, check, check. Ok. Bon, j'ai perdu 50 points de vie, c'est pas grand-chose. Mais on sait jamais, avoir les esprits, ça peut être bien. Et il n'y a absolument rien parce que je n'ai pas d'argent. Heureusement que je devais démarrer avec de l'argent en plus, parce que sinon... Alors toi, ma pauvre... Toi, tu vas morfler. T'es où? J'ai oublié qu'elle faisait ça. Bam, 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 bam. Tiens, prends mes singes qui font... Oula, oula, oula. Wouhou, les esquives de l'amour. Bon, elle l'a fait. Mais c'est juste de... Ouais. Enfin, juste. Bim bam bim bom balam bom. Après, elle est pas dure, c'est juste qu'elle est... Aïe. Qu'elle a beaucoup trop de vie, la madame. Tu arrêtes. Voilà, merci. Je te somme de t'arrêter. Non. Prendre des os, hein. Surtout que là, je vais pouvoir l'augmenter une fois. Si je dis pas de bêtises. Oui, je t'éveille, oui. Souche. Yay. Ah, le bâton est plus grand. Ce qui peut être pratique, cela dit. Faut vite péter ça. Bam. J'ai gagné un bouclier, tiens donc. Pourquoi? Parce que j'ai détruit le machin là-haut. J'ai rien dit. Ok. Retourne chercher des os. Ouf, il y a eu un petit lag. Est-ce qu'on le fait? Si on le fait, c'est pour avoir beaucoup d'or. Oh non, le génie! Bon, c'est pas grave. Désolé, le génie, je t'aime beaucoup, mais...
On va essayer de jouer le singe un peu. Kratos au-dessus. Punaise, mais j'ai pas d'argent, hein. Mais en même temps, je me concentre pas dessus, donc oui. Pourquoi se plaindre? Aïe! Oh, oh, c'est la Rockstar! La Rockstar, c'était rigolo, mais c'était un peu nul, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'était rigolo, mais... j'ai pas apprécié la jouer. Enfin, c'était... fallait faire un combo de 100 coups, enfin, c'est rigolo, mais... c'est dur à placer. On verra un jour, peut-être que je la reprendrai, que je dirai... ah mais oui, mais maintenant que je sais jouer, peut-être qu'il faut faire ça comme ça. Il me faut de l'art. Allez. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de ce combat, j'aurai déjà mon singe de niveau 3. Et peut-être une nouvelle capacité. Qui sait? On verra. On ne sait pas. On ne sait plus. Super. Mais c'est pas possible, je fais exprès. Non, ça m'avait foncé dans la tronche la dernière fois, donc plus jamais. Ah oui, vite. Allez-y, mes doubles. C'était très cool. Ya. Mais non, tu m'as raté. Les doubles sont meilleurs d'ailleurs. C'est très cool ce... merde. Les clones. C'est rigolo. Allez, là on saute, hein, c'est ça, voilà. Ok, c'était donc ça. Il fallait juste sauter comme un idiot et ça passe. Hein, ouais. Bon. Je joue avec le feu, et oui. Faites pas ça chez vous. Oh, putain. J'ai pas bien esquivé. Non, pas bien esquivé sur cet arbre. Comme quoi, ça reste quand même le même boss, mais en fonction du personnage et de ton stuff, bah quel enfer. Oh! Il m'a filé 70 points de vie. La graine inconnue. L'attaque physique et l'attaque magique augmentent de 1% chaque fois que 10 PV sont récupérés. Quand les PV atteignent 300, elles se transforment en graines de l'arbre monde. Pardon? Mais je veux ça. Mais c'est fort. Comment ça se fait que j'ai eu ça? C'est au hasard ça aussi, c'est dommage. Allez, transforme-moi. Waouh. Oh. Ok. Le bâton est encore meilleur. Il faudra tester les clones. Par contre, j'ai pas beaucoup d'attaques physiques, je crois, en bonus. Non? Je sais plus. Aïe! Ah oui, c'est pas mal. On aime bien. Hein. Tiens, prends mon double. Le double est énervé aussi. Arrête avec tes assiettes, toi. Une phrase que tu dis jamais dans la vie, quoi. Genre, arrête avec tes assiettes. Allez, ça c'est fait. On va pouvoir même aller chercher encore plus d'os. Est-ce qu'on le fait? C'est un esprit. Et j'ai déjà un esprit. Allez, on le fait. Il est tout en haut, bah oui.
sèche. Ok, deuxième. Ouh là là, mais je fais n'importe quoi. J'arrive même pas à monter le machin, qu'est-ce que je fasse? Je sais que par la suite ça sera très bien, mais alors quel enfer! Oh là là, mais calmez-vous les flèches, quoi. J'arrive pas à monter. Vite, c'est maintenant. Vite, c'est maintenant qu'il faut le fracasse. Allez, vite, vite, vite. Oh! J'ai perdu tellement de vie! Pour un esprit. J'espère que, hein, tu vas être balèze. Oh, mais il y a un marché. Oh, j'ai bien fait. Non, pas le squelette. Non, toujours pas. Ouf. De la vie. Oh non, le génie. Liwizil. Qu'est-ce que c'est que ça? Nos ennemis au point de départ du sprint. Utiliser la quintessence pour frapper les ennemis proches avec la foudre. Ben, j'ai pas de quintessence, mais ça a pas l'air d'être la meilleure. Hein. Et j'ai pas assez pour ça. Je suis ravi. C'est pas grave, voilà. Parce que moi, je m'en fous. Ah, mais mon double fait exactement comme moi. Mais il dure tellement longtemps. Je peux les frapper tellement de loin. Grâce à ça. Bon, ok. Est-ce que mes doubles font mes capacités? À tester de suite. Non. La goule. De le trésor, s'il vous plaît. Et de la vie aussi pour ma graine de vie là. Mais pourquoi? Oh, mais... Elles sont tellement pénibles! Ah, c'est vraiment dur. J'ai encore perdu ma vie. Oh là là! Qu'est-ce que ça? Les compétences ont 30% de chance de réinitialiser leur rechargement parce qu'elles sont utilisées. Oui, c'est bien, mais... Moi, il me faut de la vie, en fait. Ouais, super, d'accord. Ouais, là, je me sens bien. Ouais. Ouais, super. Allez. Je pense qu'on va arrêter là. Hein. C'est là-dessus que je vais mettre... Hein, que je vais... Ouais. Voilà. Allez, la bise. Putain, mais c'est pas possible. On le saura, le singe est pas mauvais. Mais bon, c'est comme ça. Oui, je vais arrêter là parce que ça sert à rien que je continue pour m'énerver dans le vide. C'est pas agréable. Donc on va s'arrêter là, ce sera le mieux. Mais on a bien avancé, on n'a pas battu le troisième boss, mais on y est arrivé deux fois. Avec le personnage La Glace, que je pense on essaiera de reprendre assez vite, parce qu'il est très fort. Il est loin d'être mauvais. Le clown en... Le joker était bien aussi. Qu'est-ce qu'on a eu comme crâne qui était vachement chouette au final? Bah le ninja est bien, mais malheureusement... Il y a un délai entre chaque attaque et les dégâts qu'il met. Et puis, bon, le singe peut être fort aussi, mais là, ça a été un peu la cata. Bon. Ben, moi, je vais vous regarder le planning de la semaine parce que je l'ai oublié.
Désolé, hein, j'ai oublié le planning. C'est quoi? Ah oui, ce soir, il y a Draken avec Rayman Origin. Et demain, vous avez Ticket to Ride en Mardiva Sound. Pour le reste de la semaine, je vous laisse regarder. Je vais pas vous faire tout le planning de la semaine. N'hésitez pas à rejoindre Discord. Et sur ce, cordialement bisous.